house you, you in my hut now. Girl, I see you. Du coup, l'emplacement, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours au même endroit. Et merci pour le follow, I did not shoot. Ça pue la police, ça, hein, ce truc carré. Alors, du coup, je vous offre mon image. Je fais un petit coup comme ceci. Et puis, on va partir directement là-bas. Moi, j'ai très peur de manquer d'essence, hein, quand même. Ok, on va par ici. Et c'est parti, mon kiwi. Et voilà, les gars. Bien sûr, je suis le boss des boss. C'est moi qui pilote Loulou Coupter. Monsieur Cordon, est-ce que vous êtes radio ? Oui, je suis sur votre radio. Je viens de prendre mon hélicoptère. J'ai mis ma GoPro, hein. Ok, très bien. Ça n'a pas changé le lieu de rendez-vous, on est d'accord ? C'est toujours au même endroit. Affirmatif. Ok, très bien. Du coup, voilà. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait. J'ai même pas profité de ça pour vous montrer un petit peu la ville, tu vois. Et sympa ce petit théâtre qu'il y avait en dessous là. Sympa comme tout. Alors nous, on va se diriger ce qu'on voit au loin, le parc éolien. Alors, par contre, il met la musique ce coin-là. Alors je crois que le trick, c'est de faire ça et d'éteindre la radio. Je pense que comme ça, il m'enlève la musique. Voilà. De genre, tu pilotes un hélicoptère, t'es trop fort, quoi. Ah non, il n'enlève pas. Ça peut être les couilles. De toute façon, on va pas trop garder. Ah mais si, ça fait super chier. Faut que j'enlève les musiques du jeu, moi. Alors du coup, le rallye aura lieu ici. Je vais mettre une petite vue du dessus. Il aura lieu donc dans ces parages-là. C'est les instructions qu'on a. Alors moi, je ferais bien le beau à rester en vol stationnaire au-dessus. Mais je vais devoir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais devoir gérer mon essence. Du coup, bah pour le moment... Ouh, c'est ça aussi, faut que je gère. Où est-ce que je vais me poser, moi ? Alors attendez. En attendant, pendant un tout petit instant, je fais ceci, avec cela, avec ceci. Je suis sur les lieux. Très bien, moi je suis au-dessus, je vais me poser doucement. Voilà, et juste je vais enlever. Vas-y, merde, faites-moi pas les couilles, toi. Je vais enlever les musiques du jeu. Non, j'ai un peu la polio. Voilà. Voilà. Ok. Ok, du coup, on va se poser. Bah, on va se poser là. Allez.
crois que là-bas il y a un petit truc là. Non, on va se poser là quand même. On va se poser là. J'aimerais bien poser là, tu vois. Mais par contre, c'est dangereux avec ces éoliennes. Ah, si je venais déjà à péter mon hélicoptère. Ah putain. Allez, allez, hop, doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement. Ok, on est bien, on est bien. Je suis pas mal, hein. Hop, j'éteins le moteur de ce pas. Voilà. Ok, donc du coup, je suis bien posé ici. Ok, moi je suis posé dans les éoliennes. Hein. Dans les éoliennes, complètement, d'accord. Là, bah, dans le champ d'éoliennes. Dans le champ... Non, non, dans le champ d'éoliennes, alors, allons. Ah. Ah, donc tout au-dessus, du coup, vous êtes posé. Exact. Encore du temps, il y a pas beaucoup, il y a personne sur les lieux. Il hein. Y a que vraiment les... un groupe et, c'est et vous... après c'est le c'est plus où tard, c'est où le... vous voyez du monde vous? À quel endroit vous voyez du monde? Merde. À quel endroit vous voyez du monde? Bah au début de la course, pile poil où j'avais au point où on avait commencé là. Ouais voilà. D'accord. Je vous vois. Ah attendez, je vais essayer de regarder avec mon téléphone. Ah non, je suis trop... J'arrive pas à voir. Ah, doucement, hein. Ça va, mon petit? Ça va, et vous? Ça va, écoutez, pas magnifique. Mal, hein. C'est classe, hein. Ouais, il est vraiment classe. Vous pouvez montrer du doigt où ils sont, les autres? Oui, bah attendez, bah je sais pas... Oh, attendez, regardez, c'est un moldu qui a un vélo, là-bas. Ça fait du vélo. Regardez, vous voyez, là, en dessous de l'éolienne? Ouais, je le vois. J'espère qu'ils vont pas se faire reverser. Ils sont... bah derrière la grosse éolienne, là, derrière la montagne de la grosse éolienne, d'accord. Ils sont juste en bas. D'accord. Mais vous m'emmenez en moto? C'est deux places ou pas? Allez hop. Bien sûr. Superbe. Bah voilà, emmenez-moi en bas si vous le voulez bien, comme ça on va allez, serrer hop. Des pinces. Montez. J'espère que je peux mettre mon casque. Vous mettez pas le casque vous? J'essaye mais attendez. Ah voilà, moi je le mets. Bon bah ça marche pas, écoutez, c'est pas grave. Faites attention, ça va tourner hein. On va devoir descendre par la manière forte, j'ai envie de vous dire. Non! Attention! Attention, nom de nom! Voilà, voilà, s'il vous plaît, le frein. Déjà que vous avez pas de casque. Oui, c'est pour ça que je fais attention, sinon moi je serai allé à toute berzin. Ouais. Alors, mets un peu de son. Est-ce qu'on peut descendre par là? Oui, allez. Oh, ils ont un hélicoptère ça, aussi! Oh, c'est l'hélicoptère de police! Ah, putain, attends, mais c'est classe! Eh, vous prenez des clichés, hein! Ah, bah oui, ça, j'ai complètement oublié mon métier! Nom de Dieu! Il faut prendre des clichés, là, regardez, mais mettez-vous là où on était! Revenez! Vous. Ce Felder, vous me faites des petits clichés d'ensemble. Ah oui, je voudrais voir l'hélicoptère avec en fond les policiers, tout ça. Essayez d'avoir 2-3 gyrophares allumés. Et puis après, freelance, hein, vous me les partagez là-bas. Je déplace juste mon véhicule. Allez-y. Parce que c'est pareil, il dérange. Ouais, monsieur. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, c'est bon. Ok, très bien. Celle qu'on veut ou pas? Bah alors, mais mauve. Vert, y a pas de vert. Oh, violet, la chance! Violet. Waouh, les beaux véhicules. Monsieur gouverneur. C'est trop classe. Non, moi je suis pas gouverneur, je suis journaliste. Ah, vous êtes journaliste. Monsieur ouais. Manfrey. On sur la couleur qu'on veut. Suivez-moi. Pour l'instant, vous prenez pas de véhicule quoi. Vous montez pas dedans. Est-ce qu'on on peut mettre dessus? Oh là là, mais il parle fort hein. Putain. Monsieur Manfrey. Ouais, monsieur Badman, je vous écoute. Ça va? Oui, ça va. Connectez-vous attendez. Et vos journalistes si vous voulez avoir les informations des organisateurs sur la radio 555. Ok. Très bien. Bah, je vous serre la main pour cette information et puis quand même ça fait longtemps. Hein. Allez-y. Oui, attendez. Voilà. Voilà. Je serai moi personnellement dans l'hélicoptère. Ah, vous serez dans l'hélicoptère? D'accord. J'aiderai pour donner les informations aux médecins et aux policiers d'accord. Sur les gens d'accord. Qui se blessent. Très bien. J'espère que... je sais pas, parce que moi, si vous voulez, j'ai une GoPro. Et je sais pas la qualité qu'il aura, le canal 555, voyez-vous. Je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont parler ou si c'est vraiment très peu d'individus. Il y aura logement des gens qui vont parler, mais ce sera des informations d'accord. Utiles. Alors mettez peut-être un de vos collègues. Ouais, mais je vais mettre mon collègue. Je vais demander à monsieur Felder de l'écouter, probablement. Je vais voir ça. Voilà, comme ça, vous vous mettez à deux dans le même véhicule et il vous reconstitue ce qu'il dit. Et voilà. Ouais, ça marche. Bon, moi je vais continuer à faire le dispatching merci, pour madame, les véhicules. Merci. Ah oui, au revoir. Monsieur Gordon. Ouais. Je suis juste derrière vous. Je sais, et alors si vous voulez.
Si vous voulez, on peut s'occuper de faire des mini interviews avec les, avant la course, ou je sais pas si on a le temps. Bah, il faut, bah, faudrait trouver l'organisateur, monsieur Mawid. Ouais. Ou même ou des pilotes aussi. Oui, non, mais déjà pour moi, c'est l'organisateur pour savoir quand est-ce que ça commence. Bah, venez. Attendez, je vais prendre un petit plan quand même. Oh, que c'est beau. Les rouges, c'est les. Oh, que c'est beau. C'est à, qui cette, c'est à qui cette voiture? Je sais pas à qui ça peut être. Désolé, c'est pour faire c'est un plan nous, large. Les noirs. Allez-y. Hop. Va bouder la voiture. Den. Ah yes, il y a les Shintok, très bien. Va bouder la voiture. Attends, de la bouge. Oh non, tout attendez, pas. attendez, juste c'est pour faire un plan large. Un instant. S'il vous plaît, juste un petit instant. Vas-y, régale-toi. Radio 550 pour tout. Et en direct de Weasel News, où. Attends, je recommence. Nous sommes actuellement en direct de Weasel News. On peut voir des débauches de voitures de course. Je vais aller vous mettre avec votre collègue. Il va rouler avec sa pomme. Et je suis en train de faire un film, les gars, là. Vous me cassez mes prises. C'est pas croyable. Donc je disais, on recommence. Monsieur le journaliste. Oui. Monsieur. Filmez les gagnants. Voilà. Filmez les gagnants. Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Je veux faire une putain d'annonce normale, quoi. Ça, c'est pas. Hey, Monsieur Felder. À l'occasion. Oui, c'est fou. Merde. À l'occasion, ça sera votre travail, ça, de d'écarter les casse-pieds. Très bien. Je leur mettrai des gros coups de poing. Pas de souci. Putain, j'en ai casse les couilles de ce truc de con. Allez-y. Attendez, je. Allez. Oh là là, ça me casse les couilles. Si, t'inquiète, je vais l'utiliser. Normal, hier, t'es mon petit carabé, t'inquiète pas. Et en direct de Weasel News, nous sommes à côté du parc. Ah non, je vais commencer ma prise d'ici. Voilà, comme ça. T'as la quatrième photo, incroyable. Par contre, il y a un monsieur qui doit être en train de crier là. Ça serait bien qu'il ne soit plus en train de crier avec son muscle égal. Merci beaucoup. Et nous sommes actuellement en direct sur Weasel News. On peut apercevoir les éoliennes, lesquelles seront témoins de ce rallye improbable, insensé et pas improvisé, car tout a été bien organisé. Vous pouvez apercevoir les EMS qui sont là. Nous avons également des policiers. Et avant tout, qu'est-ce qu'on a? Des gens qui parlent devant mon micro. Et c'est bien ce que je préfère. Bien, voilà. Vous faites quoi, monsieur, là? Vas-y, tiens. D'accord, monsieur. Ah putain, ça m'ébrise, c'est ça. Ah, c'est la première fois que je vous vois, messieurs, mais je crois que je vais vous aimer. Tout à l'heure, le gars dans les. Oui, bonjour, monsieur Matry. Dans 12 minutes, je fais jour. Ne pas crier tout le temps, merci beaucoup. Pendant que je fais mes interviews, en tout cas. Après, vous pourrez le refaire. Comme ça. Le premier meurt. Probablement, je me dis ça. Bah, on est en radio. D'accord. Ouais, super, merci. Vous pouvez lui dire que c'est bon, monsieur Felder? Dites-lui que c'est bon pour le. Merci beaucoup. Ça me pète les couilles, c'est compliqué quoi. Alors, ouais, je vais faire un petit travelling avec. Putain, c'est classe les voitures qu'ils ont mis. Hein. Léger travelling, attention. Avec ma manette. Merde, on dit léger travelling. Tout doucement, voilà. Putain, mais c'est trop dur de faire doucement avec cette merde. Voilà. Ça, ce sont de belles images. Et voilà, putain! Dans ma prise de vue, on verra ça. Ah, putain, c'est bon, ça. Non, normalement, je pouvais zoomer. Comment je fais pour zoomer? Ah, comme ça, voilà. Ok. Ok, ça marche. Putain, casse-toi! Mais casse-toi avec ta caméra de merde là, il me pète les couilles lui. Vous participez ou pas? Bah oui. Pas de manière, s'il vous plaît. Monsieur, je m'occupe de... Monsieur, vous faites partie du team ou pas vous? Oui, attends, on va avec 99 avec Spilly ou? Tout très pote la gueule, télécommande. Bon. Non mais ton pote il est où? Tout le monde se tait s'il vous plaît. Je vais parler. Vous m'entendez tous bien Non. Ou je crie Non, c'est bon. Non. Ok. C'est comment son nom? S'il vous plaît, je suis le journaliste. Je suis journaliste. S'il vous plaît, pendant la parole du monsieur jusqu'à ce qu'il ait fini, merci de ne pas parler du tout pour pas défoncer les bandes que je vais faire. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez pas envoyé du coup votre participation, vous venez de la faire à l'instant? Ouais, je viens de l'envoyer à l'instant. Ok. Est-ce que vous pouvez me mettre ici? Là où il y a personne, vous essayez de pas trop bouger. Ça, j'ai expliqué. Logan, mec, tu cries là, Taras.
Et vous aussi, vous criez, j'ai l'impression. Attendez avant de faire, mais il est où Abel? Moi, t'es envoyé à Abel. Oui. De la course. Ok, si vous êtes une équipe, mettez-vous ici autour de l'Omnis là. Attendez avant de faire. On va aller faire un repérage que les copilotes. Je vais vous envoyer le tracé de la course par mail aussi. Au copilote. Putain. Au copilote seulement. Et les copilotes devront guider leur pilote. Donc leur dire quand ils doivent ralentir, quand ils doivent tourner, ce qu'ils doivent faire à chaque fois. Si vous avez des questions, merci de me l'envoyer par mail. J'expliquerai par mail pour éviter que ça parte. J'ai mon copilote, désolé, il est en retard. Que ça parte en cacahuète ici. Juste amusez-vous. J'ai pas mis d'interdiction sur le pousser ou quoi que ce soit, mais c'est pas des auto-entrepreneuses, qu'on soit bien d'accord. Vous jouez vos vies sur la course, si vous tombez ou quoi que ce soit, il y a moins que vous fassiez très mal. On a une équipe de MS prête pour vous soigner s'il le faut, mais éviter les surplombées. Donc tous les copilotes se mettent derrière la voiture et tous les pilotes restent devant moi. Les copilotes. Et je peux parler à tous les copilotes un par un après? Un par un, mais. Après, Madon. Oui, parce que Morgan, si c'est un par un, ça, je pense que la course elle va commencer un peu plus tard. Abdel. Dis-moi. Ouais, j'ai une nouvelle équipe là qui vient d'arriver. Ouais, derrière moi là, j'en arrivais là. Si vous m'envoyez un mail, c'est good. Non, ils t'ont pas encore envoyé un mail. Hein. Ben envoyez-moi un mail, Abdel Perez ou Nagisa. Ça dépend. Monsieur, Axel, t'abuses. Toi, être irrespectueux. T'es venu avec le chinois. Envoyez-lui un mail. Toi, être irrespectueux. Toi, donner nom à toi. En gros, Logan, s'il te plaît, ton nom de team. Monsieur. Ma voiture là. 99. Mais tu crois, moi j'étais même pas parti pour jouer. S'il vous plaît. Les gars. Rami, c'est ça. Donc, il y aura une unité, il y aura des. Moi qui sera en hélico avec une personne, on vérifiera qu'il n'y aura pas de triche de votre part. Donc, c'est à dire que si jamais nous voyons des personnes couper, faire exprès de foncer dans des véhicules ou autre règle qui n'est pas très loyale au sport, comme cette Morgan. Équipe sera éliminée. D'accord ? Donc, moi je serai sur la radio sur la fréquence 550. Donc, je demanderai à tous les pilotes et copilotes d'aller sur cette radio. Et quand j'informerai qu'une équipe est éliminée, elle sera priée d'arrêter la course. Radio pour combien? Pilote, copilote, c'est notre radio. Hein. 550, oui, c'est pas sur le gars. 550, non, 550, c'est 550, c'est pour tout le monde. Ah oui, pardon. 550, tout le monde. 550. Et évitez de parler dedans, s'il vous plaît. Il y a que nous qui parlons. Bon, du coup, là j'imagine que tout le monde m'entend. Bon, les copilotes, vous pouvez venir sur le côté avec moi, s'il vous plaît. Moi je tiens juste à dire un petit truc à tous ceux qui m'entendent, que le départ de la course il aura lieu quand le jour se lève. D'accord. Voilà. Chef, ma radio elle a plus de batterie. Enfin il est minuit et demi quoi. Ouais mais t'inquiète pas hein. 10 minutes il est 10h. Ah vous avez pas des piles? Ma radio elle fonctionne plus là. Les pilotes vous pouvez aller à l'écart, on va parler à vos copilotes. Je peux prendre la parole à droite ou à gauche les copilotes là? S'il vous plaît les pilotes. Du coup. Ah tu m'entends là? Ça fonctionne? Attends, Rami. Ah bah ça y est, ça. Y a l'épée de marche. Bon bah merci. Excusez-moi. 2, 3, 4, 5. Non il en manque. Excusez-moi. Il en manque combien? Excusez-moi. Attends, je vais aller sur la radio. Moi. Est-ce que je pourrais également jouir du mail en tant que journaliste pour savoir le tracé de moi qu'on va suivre en hélicoptère? On vous l'enverra. Merci beaucoup. On vous l'enverra. Allez là-bas. Tous les copilotes sont priés de nous rejoindre. Ce Felder? Alors où est-ce qu'il est là? Il est là, monsieur Felder. Okay. Je suis là. Ouais, ok. On s'écarte? Ah ouais, bah on peut prendre la moto pour que je vous monte directement à l'hélico. Pour le moment, on va rester près de l'action. Hein, si vous avez entendu, ça va pas commencer tout de suite. Hein. Mais effectivement. Ouais, faudra commencer de récupérer. Bah, du coup, je viens de leur demander qu'ils me donnent le tracé. Ouais, le tracé de la course. Ensuite, vous, en fait, vous vous mettrez en 555 sur la radio. Et c'est le canal de l'organisation pour savoir s'il y a des accidents, s'il y a des EMS, s'il y a des trucs. Parfait. Vous serez dessus et comme ça, si vous êtes, vous pensez que vous pouvez changer de radio assez facilement? Ça peut se faire. Enfin, ça va prendre un tout petit peu de temps, quoi. Donc oui, ça peut se faire. Oui, non, mais je veux dire sous 10 secondes, quoi. Le temps de me dire. Moi, je reste tout le temps sur la radio qu'on a dit là. Bah, finalement, on va faire radio. Si on reste sur 351. Si c'est pas trop compliqué à vous rappeler ça. Non, 351, ça sonne comme ça. Putain. Ok, donc radio 351, et du coup, putain mais vas-y je veux faire Pink 1,
Pink normal. Et du coup, ouais, bah, vous switchez entre l'une et l'autre. On aura le tracé bientôt. Bah, on espère que tout va bien se passer, quoi. Et puis du coup, ouais, ouais, en fait, au début. En fait, ouais, au début, vous commencez avec moi, je pense, dans l'hélico. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux à faire, voyez-vous. Bah, on va déjà, quand on va recevoir le tracé, on va peut-être un peu mieux comprendre déjà. Oui, mais dans tous les cas, on pourra pas faire en plein milieu de la course, on va récupérer. Enfin, on peut, mais c'est plutôt compliqué, je pense. Je sais pas. Ouais, bon, je viens de recevoir le tracé. Attendez, je regarde sur mon. Après, si on a tracé, moi je vais placer mon véhicule au milieu du tracé. Ouais, mais après, pareil, pour me faire tomber, ça va être compliqué. Je sais pas si t'es en parachute. Oui, non, alors il n'y a pas de parachute. Vous savez faire du parachute, vous? Vous en avez déjà fait? J'ai fait mon baptême une fois, mais j'ai jamais. Je suis pas un pro. Bah. Ça fait en plus, j'ai été quand j'étais petit, donc je risque de m'écraser. Moi, j'ai déjà envoyé. J'imagine. Monsieur. C'est comment pour les voitures là? Là, je me suis mis une petite GoPro comme ça. Dès que je passe sur mon mode téléphone, bah directement, hop. Si, D'accord. C'est les voitures. Ok. Alors, j'ai le tracé, je vais l'observer un peu. Je vais vous l'envoyer cordialement, monsieur Felder. Oui, ça m'arrange. Je le mets dans notre petit. Merde, putain. Je le mets dans notre petite chat. Allez-y. Mais je suis sûr qu'il a pas compris que je parlais de son chat Atlantis News. Voilà. Windows E. Je vais même mettre ça en attendant. On va mettre mon layer, disons, normal. Arrêtez-moi depuis là. Ah mais les Chinois ils vont me faire trop marrer moi. Enfin trop marrer. Non c'est dans téléchargement, excusez-moi, voilà, clac clac chac Atlantis, voilà. Ah moi t'es okay. Zed. Ah oui, c'est moi. Elle est trop petite quoi, c'est un truc de ouf. Zed Huang. Ah oui. La carte elle est super petite quand même. Alors, départ, arrivé. Alors. Je regarde juste la carte, d'accord, ok, départ. Ça fait clac. Donc le tracé, chez les mesdames, messieurs. Le tracé, il fait ça, comme ça. Et après, il descend, je crois. Celui qui crie, s'il peut s'arrêter. Mais c'est un des Chinois. Oui, sinon, comme d'habitude. Bah écartez-vous. Comment ça, comme d'habitude? C'est souvent, bah depuis tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est souvent eux qui parlent fort comme ça. Là je t'attends encore. Moi je vais lui dire. Monsieur? Excusez-moi, monsieur le Chinois. Monsieur le Chinois. Monsieur le Chinois. Oui. Oui, je crois que vous avez votre muscle N qui est appuyé en fait, parce qu'on vous entend assez loin. Prends ma main, je t'emmène. Donc attendez, je vais vous dire ça, je mets plus loin. Allez-y, parlez. Faites-le parler, monsieur Felder. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok, merci. Bon, on s'écarte un peu, j'en peux plus. Je m'écarte un peu, j'en peux plus. Je suis à côté. Putain, mais là, ça fait du monde, hein. C'est joli, hein. Ah, moi c'est cool, malheureusement il y a pas de gros. J'ai des petites photos mais vu qu'en fait j'aime bien du coup cela il y a rien, c'est dommage. On va faire avec. J'aime pas trop zoomer parce que moi, ça prend un peu de la merde. Un truc un peu trop moche, enfin, ça fait comme si vraiment je zoomais, enfin bon, le but c'est pas pour vous. Ouais. Bon, très bien. Alors, du coup, attendez, je vais essayer quelque chose quand même. Je sais pas où est-ce que je peux récupérer la caméra. Je la récupère dans le. Et il y a une caméra dans le buisson. Caméra dans le buisson. Ah, hop là, putain, elle était bien cachée. Ah, mais elle est jaune votre caméra, vous. Elle est jaune votre caméra, c'est classe. Donc du coup, chers viewers, c'est le début de l'organisation du rallye. D'ailleurs, faut que je...
putain d'oreille. Envoyez un mail tous les deux, juste devant moi. Si vous le faites ça, je pense. Dommage que ça pas face au soleil. Allez, vite, 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 vite. Alors du coup, ouais, le parcours de la course, il fait un certain truc. Et moi, je vais m'appuyer comme un bâtard. Comme je sais si bien le faire, comme ceci. Elle est réparée, elle ? Ah, j'ai réparé, hein. Ouais, pourquoi les gens, ils courent comme ça ? Pourquoi les gens, ils courent à fond, hein ? Ah bon ? Vous êtes monté dedans, bon ? Moi, j'ai déjà envoyé un... Ah, monsieur Batman, on est un peu pressé, monsieur. Ah, je suis un peu pressé. Ça, c'est votre voiture, monsieur le policier ? Oui, c'est la mienne. J'essaie de voir si tout le monde est bien mis sur votre fréquence. Elle va servir de voiture balai à la fin. Venez faire mal. Attendez, je regarde ça. Mais c'est la vôtre ? Au-dessus de table. Attendez, je regarde ça. La belle mécanique, ça, hein ? Ah oui, hein. Putain, quel moteur. Je vais pas me mettre comme ça sans que je me fie. Ah ouais, je crois que je vais pas se couper la tête. Vas-y, ça ira pas un moment. Ok, donc du coup le parcours, j'ai vu. Voilà. Alors c'est je sais bon pas si vous voyez ma souris, mais le parcours il fait comme ça, monsieur. Il fait clac 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 clac. Merde putain, mais vas-y là. Mécano. Ah Jésus, pardon. Mécano. Ouais, mécano. C'est des petits plans véhicules là. Ouais. En tout cas déjà ça. Attendez où cette musique ? Je crois que c'est dans le truc. Putain, c'est classe. C'est bien qu'ils aient rangé bien toutes les petites voitures comme ça. C'est super classe, hein. Et on s'approche pas trop de la voiture, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça super classe. Ces petites bagnoles. Et là, t'es la mienne. Ouais, c'est tu savais en avait laquelle, du coup ? Nec. Alors, je vais faire une petite dégaine quand même pressée. Démarche. Ouais, pressée, c'est pas bien. Et Tilky Winky. Ok, donc je suis Gordon Manfrey, je suis pressé. Écoute, je vais demander à David. Alors il est où David? Il est avec sa caméra là-bas. C'est vrai que les gens qui courent c'est chiant. Combien Pinky Winky, il s'appelle. Non mais c'est pas moi Pinky Winky. Monsieur Felder. Qui est-ce que c'est? Oui. Il vous ennuie ce jeune homme là? Non. Pourquoi vous ennuyez mon cadreur? Laissez-le faire ses cadres normalement. Mais non, mais attendez, je vous propose un interview exclusif de Pinky Winky. On peut essayer. Qui a tourné chez les Teletubbies. Mais écoutez, Attendez, facile à pas reconnaître. Tout de suite. Il a des cheveux verts. Mais c'est celui qui organise la course, non? Ce monsieur-là. Je sais pas, moi. J'ai fait « Oh, Pinky Winky !» Il m'a fait « Oui, c'est lui !» Puis c'est pas Pinky Winky, hein. Je sais pas d'où vous connaissez ça, mais bon. Bon, un petit instant, je dois parler avec mon journaliste. D'accord. Oui. Est-ce que vous voulez bien... Désolé de l'avoir éloigné, ça se trouve c'était l'interview du siècle, mais je me permets d'en douter. Alors vous remarquerez qu'avec la caméra, quand vous zoomez, donc déjà c'est de la merde le zoom avec la molette. Avec la molette sur votre droite là. Parce que ça va de cran en cran. Et l'autre chose qui est chiant, c'est aussi que vous avez la netteté qui est pas bien forcément. Ah bah moi ça va la netteté en vrai. La netteté c'est pile au milieu de l'image. Hein. Ok. Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez m'amener à mon hélico avec votre motocyclette? Allez hop là, on y va. Elle est où? Suivez-moi, à votre gauche. Ok, je vous suis. À votre gauche, monsieur Gordon, à votre gauche. Monsieur. Qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-moi vous suivre. Je vous suis, monsieur Felder, je sais pas où elle est votre moto. Ah, mais oui, mais je devais avoir un petit chewing-gum, suivez-moi. Allez-y, sautez. Yep. Hop là. Hop, peut-être vous de sauter, je vois pas bouger moi. Moi je. Bah oui, mais ça c'est parce que vous êtes avec la caméra. Sortez de la caméra. Enlevez l'œil de la caméra dans une pipe. Ah non, c'était un problème cerveau de mon côté. Venez. D'accord. Je vais l'accrocher à la moto. Très bien, allons-y. Rangez votre caméra sur la moto quand même. Hein, mettez-la dans le coffre de la moto. Ouais. Il n'y a pas de coffre, mais je l'ai accroché. Attendez-moi, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais il y a un problème. Monsieur Felder, vous avez le permis ou pas? Oui, j'ai le permis moto, mais j'ai eu un problème, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est honteux ça. Attendez, je mets mon casque, voilà. Je vous conseille moi, mettre votre. Eh bah voilà. Doucement. Monsieur Felder, il y a des piétons partout. Oh. Mais qu'est-ce que vous foutez? Non, par contre, sans déconner, monsieur Felder, là, je suis pas convaincu qu'il nous en veuille pas qu'on soit en train de faire du trial, quoi. Mais
Ne vous inquiétez pas, venez. On a même pas les gilets jaunes de. Les gilets oranges ou je sais pas quoi des cadreurs. Ah, mon hélico il est là, ah, c'est... sur votre droite. Ah, je sais juste. Hop, 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 là, mon dieu. Vous avez pas reçu l'itinéraire du coup? Si, si, je l'ai reçu, mais je l'ai mis dans notre discussion. Pas dans notre discussion, la discussion du journal. Bon, alors du coup, vous êtes encore sur ce canal? Je l'ai. Non, non, je suis plus sur le canal là, moi. D'accord, alors bah du coup. Bah, je compte sur vous hein, pour me dire des trucs s'il y a besoin. Y'a pas de soucis, je. Et évitez d'utiliser l'autre biais qu'on partage ensemble, vous savez? Je vois, oui, y'a pas de Vous avez bien coupé le son de ça? Bon, je vais le faire moi-même, je vais vous le couper. De toute façon. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Y'a pas de soucis. Donc ouais, écoutez. Je sais pas qu'est-ce qui vaut mieux. Que c'est vous qui soyez en 555 pour l'instant ou que moi? Je sais pas comment vous voulez. Bah, moi, ce que je pense qui est le mieux. Dites-moi. C'est que. En soi, on peut être tous les deux au début dessus, mais en fait, le problème, c'est que. Parce que moi, il faut forcément que je sois dessus, parce que s'il y a des trucs, je fais demi-tour ou je vais plus vite pour récupérer les personnes. Bah, en tout cas, juste avant le départ de la course, venez. Dites-moi. Dans mon hélicoptère, je me poserai près de la route en bas, là, près de l'autre hélicoptère. Vous venez dedans. Attendez, je vais étudier l'itinéraire une deuxième fois. Alors ma tablette elle est où là? J'avais pas envie de retaper tablette, putain. E, tablette, 2. Alors attendez, je regarde ça. Parce que l'itinéraire il fait ça. Ouais, bah du coup. Bah vous savez quoi? Je pense qu'on fera la première partie. Ah. On fera la première partie ensemble. Et vous, je vous redéposerai. Laissez votre moto en bas. Et quand la course elle arrivera à l'endroit où on se soutient actuellement, je ferai un petit détour, je vous poserai votre moto et vous pourrez revenir ici. Ah oui, pas bête, alors attendez, excuse. Ah ok, non, elle n'est pas sur la route. Ah pas bête. Je vais essayer de la poser de façon à pouvoir repartir direct. Bah après, le problème c'est que là il faut que vous descendiez en bas. Hein. Bah si vous voulez, mettez votre moto cachée par là pour pas qu'elle gêne dans un fourré, mais surtout pas en sortie de virage. Il est aussi. Ouais. Moi je vous conseillerais de la mettre. Je regarde le plan parce que ce serait bien d'être de protéger la moto par une éolienne pour toute fin utile. Ah, pas bête, pas bête. Le champ de la course, c'était ça. Donc ils arrivent de notre dos. Donc en fait, la moto, mettez-la ici. Ok, très bien, j'arrive. Putain, heureusement qu'il était pas là lui. Alors voilà, la course, écoutez-moi, elle va venir de là, les participants arrivent de là. Donc cachez votre moto ici. Mettez-la ici si vous voulez bien, ok? Voilà, rejoignez-moi l'hélicoptère. Et vas-y, ma tablette, tu la ranges toi. X, allez, non, c'est X, je suis bête. Allez, go, 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 go. Ok. Ah, il y a déjà l'hélicoptère quelque part, non? J'entends un bruit d'hélico. Bah écoutez, je vais essayer de monter à l'arrière. Parfait. Alors. Ok. C'est bon, j'ai mon téléphone. Ok. Et là je peux. Ah, c'est parfait, je peux zoomer et tout, c'est magnifique là. Ouais. Et vous pouvez essayer le cas échéant avec votre radio. Mais bon. Attendez, j'ai essayé la caméra. Et pardon, c'était caméra que je voulais. Ah oui, la caméra ça marche. Vous pouvez zoomer. Attendez, je vais essayer. Ah, malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas zoomer. Oh, ouais. Ouais, je sais, je sais. Parce que, autrement, ça aurait été magnifique, la qualité est beaucoup mieux, j'ai l'impression. De quoi, la caméra que le téléphone? Bah, je sais pas, en tout cas, enfin, après, peut-être avec les bandes noires, ça fait un petit film, ça fait un effet. Ouais. Bon, pour le moment, je vais vous redéposer au sol, si vous voulez faire une petite interview ou deux, et vous me le dites par la radio et je vous diffuse à l'image, d'accord? Oui, y'a pas de soucis. Vous voulez choisir des interviews? Bah, allez, hop, on y va. Bah, en fait, d'abord, il faut qu'on se renseigne sur le départ pour savoir quand est-ce qu'elle a démarré. Et après on regarde combien de temps on a et on peut faire les interviews. C'était bien passé le baptême pour l'hélico, le pyramide et tout? Alors un instant, je me concentre s'il vous plaît. Pas de soucis, justement. Que là, bonne idée. Ce serait bien. Voilà. Oh. Oula. Ça va vous? La nuque ça va? Oui, ça va. Ouais. On va me casser.
Ok, monsieur Matry. Oui. Vous savez, au moins avoir quelqu'un qui est avec vous dans l'hélicoptère qui est connecté radio. Oui, oui, l'un de nous deux sera sur la. Je serai. Sur le 555. 555, connectez-vous 555 et ça ira. C'est moi, j'y suis. Bah, c'est fait le dire, voilà. Moi je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, moi. Ouais, il y a plein de gens qui parlent et dessus. Vous... Et ah, il y a plein de gens qui parlent vous dessus. Vous gardez votre hélico là-bas. Bah, là, moi je suis. Bah, là, pour l'instant, on est en train d'organiser. Les... En gros, on est en train de mettre en place et tout. En gros, c'est pour ça que ça aurait été mieux que ce soit votre copilote qui est à la radio. Oui, non, pour mais vous donner les infos. C'est monsieur Felder qui va se mettre sur cette radio et me dire. Et... Vous savez quand est-ce que la course elle va démarrer? Le jugement c'était 10h, mais on a quelques soucis techniques, en gros, ce sera plus tard. J'entends bien. Bon, bah, monsieur Felder, monsieur Felder, vous pouvez faire quelques petites interviews. Vous prenez, ouais, le, micro dans les... prenez le micro dans l'hélicoptère. Moi je te prends. Manfri. Oui. Vous pouvez vous garer derrière l'hélicoptère de la LSPD. Pourquoi? Juste là-bas. Pourquoi? Le sol est plus plat. Bah... Parce que comment votre hélicoptère est mis, c'est un peu dangereux, quoi. Il y a beaucoup de buissons, là-bas au moins c'est dégagé et... Attendez, je vais regarder ce que ça donne. Je vais regarder. Vous voyez, ici c'est un peu mieux, quoi. C'est plus plat, c'est plus dégagé, c'est... Ouais, mais je veux pas interférer avec les gens. Moi je comptais repartir, de toute façon je reste pas là, je vais me reposter plus haut. Et je note, cher monsieur. Ça va. C'est pour votre sécurité, hein, monsieur. Oui, j'entends bien, merci. Ouais. Donc lui, c'est l'avocat. Okay, le MS, c'est l'avocat de la ville. Putain, c'est classe. Bien quoi, mon man. Moi, je fais un mélange de toutes les couleurs. Eh ouais. Ouais, magnifique. Hein. Si. Bah, bonsoir, putain, c'est beau tout ça. Hein. Ah, vous avez vu. Par contre, doucement, la vitre, elle est fragile. Ah, pardon. C'est bien, ça. Pas de problème. Putain, c'est classe. Bonsoir monsieur. Soir bon. C'est vous qui avez piloté ce véhicule? Eh oui. je repère les challengers. Comment ça, monsieur Ramirez dans Challenger? Ah là là là. Monsieur... Je sais pas. Oui. Oui monsieur Felder. Oui, je vais faire un interview là. Eh monsieur le journaliste. D'accord. Attendez. Je pars dessus. Alors attendez, je vous dis dans un petit instant. Il faut quand même que je vienne à côté de vous. Vous êtes où, monsieur Felder? Vous êtes où, monsieur Felder? Il y a un agent LSPD qui veut rentrer avec moi à partir du. Je suis au départ. Il est où, monsieur Felder? Monsieur Felder? Monsieur Felder? Monsieur Felder? Ah, il est là-bas, d'accord. Okay. Il y a un chat. Monsieur Felder? Non mais vous prenez le micro, moi je vais prendre la caméra, d'accord? Elle va commenter. Ah, ça va commencer après. Ah bon? Ah bon, bah écoutez, on fera après alors. Ok. Ah, j'ai plein de... Ouais, je suis pas sur la radio 555. J'y vais directement. Enfin, on a eu de la chance de pas se faire renverser par des véhicules. Hein. Monsieur Felder? Oui, je suis là. Ouais, du coup, vous vous mettez sur 555, s'il vous plaît? C'est fait. Ok, très bien. Et du coup, vous entendez pas des trucs là-dedans? Ils disent pas que c'est bientôt? Pour l'instant, ils parlent, oui, d'aller chercher quelqu'un en hélico, donc je pense que ça va partir. D'accord, ok. Ouais, ça va commencer. J'ai mon petit téléphone. Ah, j'ai pas vraiment une vue aussi. D'accord, bah je vais me rapprocher un petit peu. C'est qui tire là? Mais pourquoi y'a un policier qui nous tire dessus? Ah mais, c'est pas sur nous. Ah ok. T'es sûr? Je sais pas, prenez les images. Ouais, je prends. Ah si, ça tire. C'est un moldu, y'a pas de soucis. Ouais, y'a pas de soucis, excusez-moi. Ah non, y'a des bikers armés. Ouais, prenez les images, je vais vous mettre à l'antenne, prenez les images. Et nous sommes en direct. Où ça? Vers la gauche, la droite? Vers la gauche, ouais. Parfait, je vois parfaitement. Et là, en direct de Weasel News, on peut apercevoir bien des coups de feu qui ont été tirés. Putain de merde. Je vois en 36 appels mail, mais a priori, voilà, il y a des tirs.
On sait pas trop de quoi il en retourne. Tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que la sécurité des individus est peut-être compromise et on sait pas encore de l'avenir de du début de la course. Ouais. Ah ouais, non mais là c'est chaud l'hélico par contre. On va essayer de remonter peut-être. Miskin recueil de Shanghai. Ça va les images, monsieur Felder? Ça va, ça va. C'est juste que je suis sur le côté droite, du coup, quand vous êtes au milieu. D'accord, ouais, je comprends. Je vais tâcher de m'en rappeler, Voilà, là c'est parfait, là. Alors là, c'est magnifique. Mais moi, je vais plus avoir d'essence au bout d'un moment. Ça, c'est casse-pied. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça va être. Alors, prenez la grille vous êtes sur la grille de départ. Très bien, vous êtes sur la grille de départ, ok. Alors, est-ce que vous pouvez sortir votre caméra juste pour faire le petit bandeau? Ouais, essayez de vous décaler encore un petit peu parce que là je vois. C'est-à-dire, dans quel sens? Il faut donner une direction, mon petit lapin. Parce faut que la droite. Il faut que ce soit axé sur la droite, vu que je suis à droite moi. Ah, le contraire, axé comme ça. Voilà, voilà. D'accord. C'est bon, là j'ai la caméra avec les bandeaux. Putain, ça je me fais tirer dessus hein. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'est tiré dessus, hein. Oui, ah, mais d'accord. Mais c'est notre hélicoptère peut-être qui est pas de la police ou quelque chose comme ça, je pense. Ah, ouais, peut-être. Ouais, mais je crois que c'est peut-être des moldus là. J'ai la scène ouais. De dessus. On avait dû armer, ils se font tirer dessus. Bon, les agents du LSPD. Des informations radio. Ah oui, n'hésitez pas à me les transmettre. Hein. Ouais. Là, les speedy là qui gère le problème. Ça continue à arriver encore 4 individus armés à ce qui paraît. Non. Ah. Des speedy blessés. Mon dieu. J'espère que ça va pas entacher le début de la course. Hein. Ah, c'est ça. Je repasse sur votre live. C'est des moldus, ouais. Mon téléphone, si c'est possible. Donc vous me dites quand vous êtes en vue téléphone, hein, ou en vue caméra, ouais. Ou quoi que ce soit. Hein. Je me mèche. Ah, le départ a été fait. Ah, c'est oui, je suis la course. C'est suivi là actuellement. Oula, par contre ça bouge. Oh non, de Dieu. Attendez, je vais les rattraper comme ça déjà. Mais on va aller directement sur la gauche, voyez-vous. Oh, oui. On peut suivre les voies que je suis actuellement. Moi, j'essaye de faire. J'ai plus trop de visuel là actuellement. Ça va venir. Ah, ok, si c'est bon, je récupère le visuel. Les verts qui sont à la traîne, hein. C'est maintenant. C'est les rouges qui sont même à la traîne. À sortie de route. Information. Attention, faites attention aux éoliennes. Faudrait pas qu'on se prenne une éolienne là, monsieur. Monsieur Manfred. Non, je vous en prie. Bobby. Je vois bien. Ok, très bien. Vous cadrez? Oui, j'ai cadre. J'essaye de récupérer. Alors, on voit le premier passer, le marron. Suivi de la blanche. Et on va tourner. Je tourne l'hélicoptère, mon petit David. Sortie de route. Oui. Oh là là, on a vu aussi la blanche. Ça se prend des éoliennes, hein. Je continue là. Je suis le chemin. Les rouges qui sont deuxième. Oula, les blancs qui sortent de route. Un véhicule qui se retourne. Le véhicule rouge qui retourne, qui perd sa deuxième place. Les blancs qui prennent l'avantage. Ils sont encore deuxième. Mais ça, c'est possible. Tout est possible encore. Il est bon, ce petit. Tout est encore possible. Le véhicule, c'est quoi? C'est du violet là qui domine. Je sais pas trop. C'est de suivre ça. Sans trop de mouvement, ce qui est compliqué. Les blancs qui sont en deuxième, les rouges qui auraient cru que tu pouvais la troisième place. Qui va l'emporter? Là, ok, il y a eu un petit
ça continue, c'est bien. J'ai plus trop de visuel, j'essaie de dézoomer. Oh. Si, si, regardez, ils sont juste. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont juste en dessous. Ils... Ouais, ils doivent... Non, ils doivent faire un tour là autour de ça, voilà. Ok. C'est parfait, c'est parce qu'ils ils pensent. Ah, la verte qui a triché, information. Ah, la verte a triché. Ah, la verte qui est première. La enfin... verte, ouais. Les salauds. Chez. Disqualifier la verte. Chez. Oh, elle triche, disqualifiée. La verte est disqualifiée déjà. Une équipe en moins dans ce rallye. Et vous avez raison, une équipe en moins dans ce rallye, le premier rallye, le rallye du parc. Fallait monter là. J'espère que vous faites des prises de vue acceptables, mon petit. Ça bouge beaucoup, j'essaye de faire des trucs intéressants. Et si vous voulez, je vais vous poser au sol. Si vous voulez. Puisque là, la ligne d'arrivée, je vais vous poser à la ligne d'arrivée, écoutez. Allez-y. Alors, ah oui, faites attention, on a failli se faire percuter à ce qui paraît. Ah ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ah merde. Alors, la ligne d'arrivée, elle est où? Oh, la verte qui fait n'importe quoi là, on a des images. Voilà, ah, je vais essayer de me poser, je vais essayer de me poser. Essayez, en fait, non, je vais pas me poser. On continue les prises de vue d'ici. Hein. Mais je vois plus personne là. Ah, si, c'est bon, je le retrouve. Le véhicule violet ou je ne sais pas quelle couleur là. Qui continue. Hein. Rouge en deuxième, blanc en troisième et le dernier véhicule. Rouge et noir. Qui continue. Même si c'est dernier, le courage. Ça va repasser là juste devant. Bougez pas, monsieur Gordon, c'est parfait. Ça va jouer entre les deux voitures. Ouh là là, est-ce que le véhicule rouge? Ouh! Les véhicules blancs, sortie de route. Blanc hors jeu. Ah. Bon, je sais pas, il y a des informations qui sont plutôt confuses dans la radio. De la LSPD. Ouh là, personne qui a été renversé. Demande de la LSPD. Le véhicule rouge qui a récupéré. Il a récupéré le truc. Ah, c'est pareil, deux tours, je sais pas. Ah, c'est deux tours de ça, voilà, parfait. Excusez-moi, voilà, je m'en mets là. Rouge qui a gagné. Ensuite. Alors, je vous écoute, le rouge. Attendez, vous me dites quoi, monsieur Gordon? Je vous écoute, le rouge. Le rouge qui a été en première. Oui. Ensuite, c'est le véhicule EMS, enfin, je sais pas comment on peut le dire, c'est. Gagné. Et ensuite. Problème, ok, c'est bon. Donc, c'est le véhicule rouge qui a gagné. Hein. Puis le véhicule ensuite à côté, je sais pas c'est quoi la couleur, un peu marron, d'accord. Puis blanc, puis vert qui a été disqualifié, et rouge et noir en bien. Je vais me poser juste à côté. Ouais, comme ça, on va pouvoir avoir les interviews directement à chaud des joueurs. Oula, attention! Fallait pas qu'on se prenne un crash d'hélico maintenant, ce serait ah ouais, dommage. Ça aurait été triste. Hein. D'essayer de descendre le plus vite possible. Ah, là, je descends tout de suite. Je vous rejoins dans un instant, je vous rejoins. Parce que je vais quand même mettre mon hélicoptère quelque part. Je peux remettre un tout petit peu de son pendant ce temps-là. Voilà. Je me suis posé un peu comme un bâtard. Alors, du coup, est-ce qu'il a sorti sa caméra? Je sais pas s'il a la caméra ou quoi, mon copain. Enfin, mon copain est néanmoins collègue. Alors il est où? Il est où Felder? Il est avec son téléphone. Il est avec son téléphone ou la caméra? J'arrive pas à voir. Position conducteur qui était monsieur Morgan Crew. La voiture rouge? Les Shanghai. Le véhicule rouge qui a gagné cette course. D'accord. Il y a les cheveux qui sortent du casque. Du coup, vous allez prendre la caméra et je vais faire l'interview. Ouais, je vous la donne. Vous me suivez? Et bah toi aussi, pour moi, t'as fait beaucoup de route. Donc qualifié pour la course suivante. Je vous la donne la caméra ou? Ouais, venez avec moi, venez avec moi. Oh, dites-moi. Voilà, bah non, juste donnez-la moi ici, voilà. Hop, là, je suis parti. Merci. Voilà. Et vous, du coup. Ah non, c'est moi, je vous la donne. Voilà. Ah, donc je la récupère là hein. Ouais, mais parce que qu'est-ce que je veux dire? Moi, je voulais faire l'interview et je voulais que vous me cadriez. Cela dit, moi, j'arrive pas à voir la caméra. Hein, mais c'est pas grave. Si vous avez la vue, c'est le principal. Ouais, je l'ai, y'a pas de soucis. Alors, j'arrive. Ouais, faudrait que j'aille ma caméra. Putain de merde, c'est la merde ça. Est-ce que vous voyez la caméra au bout de mon bras, vous? Non.
Tout est bon, y'a pas de soucis. Ok. Ah bah, les véhicules rouges, est déjà parti. Et le gagnant est déjà parti. Ah bah oui. Non, lui, il a parlé finnois à un moment. Non, c'est pas moi. Ah, alors, les gagnants, ils sont partis. J'ai l'impression. Bah, nom de Dieu. Attendez. C'est qui est surveillé? Par contre, moi, pouvoir capter Titi. Pardon. Où est-ce qu'ils sont les gagnants? Pardon, où sont les gagnants? Je ne sais pas. Ils devaient être repartis à la ligne d'arrivée, je pense. Enfin, à la ligne de départ, plutôt. Faudrait qu'on y aille là-bas. Bon, bah, on va voir. Oui, c'est vrai, j'avoue, vous avez raison. On va pas y aller en hélico, par contre, c'est au cul. Ouais. Pourquoi pas. Rangez votre caméra. Moi, vous sachez que j'ai pas ma caméra, c'est une blague. Je dis que j'ai pas l'habitude. Magnifique course quand même. Hein. Ouais, c'était sympatoche. Il y a eu deux personnes qui ont été disqualifiées. Enfin, non, une personne qui a été disqualifiée. Les verts, n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Non, mais j'ai pas vu. Vous avez eu l'image, vous? Oui, il y a un moment où on le voit coupé en plein milieu de la route. Hein. C'est... Ah, les bougres. Ok, vous pouvez descendre. Hop là, c'est parti, je récupère la caméra. Ouais, prenez la caméra, allez-y. C'est bon, mais ils repartent encore? Oh, non, je sais pas. Ah, j'ai l'impression. Ah oui, ils sont là-bas, les personnes. Non, mais t'es nul. Mais quoi, mais t'es qui, toi? On a endommagé. T'as dédommagé, gagné, c'est les Shinta qui ont gagné, t'as trop bien. Interview. Ah ouais, c'est venez, chiant, venez, si on venez, venez, c'est eux qui ont gagné. Oui, c'est eux qui ont gagné. Ah, superbe. Alors, on ne se hâte pas trop, voilà. Bandou. Voilà, venez là. Alors, attendez, Monsieur Felder. On a gagné. Mettez-vous derrière moi pour avoir le cadre avec les voitures derrière. Mettez-vous à ma place. Ici. Ah, vous voulez qu'on te mette là, nous, comme ça? Alors je regarde votre cadre. Non, venez à côté de moi les gars. Messieurs. Venez à côté de moi s'il vous plaît. C'est moi qui vais vous interviewer. Bah, y'a pas de problème. Vous pouvez allumer votre caméra, monsieur Felder. Je regarde sur le journal. Oui, c'est bon, je l'ai. Ah, vous voyez pas mon micro? Ah oui, non, je le vois pas. C'est triste. Oui. Ah si, c'est bon, je le vois là. C'est bon. Il est venu. Ok, superbe. Ah ouais, il a pas un micro. Ok, du coup, attendez, je regarde un tout petit peu. Ok, c'est très bien. Alors par contre, oui, si, on va laisser le bandeau Weasel News. Ok, vous me dites quand vous êtes prêts, je vais lancer l'interview. Je suis prêt, c'est parti. Alors, pour information, messieurs, avant de commencer l'interview, celui qui est à ma droite, ici, là, celui que je montre, quel est votre nom, monsieur? Moi, t'es Ben, Zen. Ah, d'accord, c'est vous avez un... des cordes vocales extrêmement faibles, donc je pense qu'on va se passer de votre interview, je suis désolé. Et vous, monsieur? Ah bon? Moi, t'es lui. Vous? Putain, va falloir pas être... Bon, bref, vous, on va vous prendre l'interview. Je suis désolé, monsieur Yuen, là, mais vous avez une voix vraiment fluette. Pas vraiment. Bah non, ça change rien. C'est la puissance de votre corde vocale. Mais revenez! Pourquoi ça va? Vous pouvez rester quand même, c'est classe. Ah ouais, t'es bon. C'est classe quoi, mais c'est pas vous qui parlerez, c'est tout. Dis que c'est moi le pilote. Bah non, mais en fait, vous, je veux bien que vous asseyez comme ça, et monsieur le pilote, ce serait plus photogénique, si je puis dire, si vous pouviez être debout à ma place, à côté de moi. C'est pas moi le pilote. C'est qui le pilote? C'est vous? Bah oui, je sais bien, mais écoutez, je vous entends. Attends, et là, t'es mieux ou pas là? Ah, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Bah, de parler comme ça. Voilà, c'est très bien. Bah non, mais c'était sympa de. Par contre, je vais avoir du mal à pas imiter votre accent, les gars. Mais que je respecte, comme jamais. Ah, y a pas de problème. Alors je me mets sur le côté, restez comme vous êtes. Je regarde pour la caméra. Hein. Ah mais c'est reparti la course là. Ah bah. Bah ouais. Et vous? On a gagné le premier. D'accord. Bah on fait une interview vite fait et puis on loupe toute la course. C'est un peu triste cette histoire. C'est pas grave, c'est une course en plus. Alors, du coup, attendez, je vais me mettre comme ça parce que je vois que ça va pas du tout sur le cadre. Là, c'est mieux comme ça?
Ah oui. Ok. Alors bonjour monsieur, bienvenue. Alors on s'en branle, attends, je recommence. Et nous sommes en direct avec les gagnants de la course. Alors une équipe d'outsiders, vous avez un nom d'équipe? Ah oui, c'est les racailles de Shanghai. Oui, les racailles de Shanghai. Les racailles, ah non, les racailles de Shanghai. D'accord, exactement. Très bien. Très bien. Du coup, vous étiez un pilote et un copilote, vous vous connaissiez avant? Ah oui, on est frères. On est frères. D'accord, frère. Eh ben bien. Et comment vous avez choisi qui est-ce qui allait comme piloter? Ah bah, c'est parce que t'es un pilote, les petits. Il est trop fort. Ah, c'est un vrai pilote? Ah, il est vraiment fort. Toute ma vie. Eh bien écoutez, on vous félicite encore, a priori vous êtes qualifié, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs manches. On va suivre ça de près et on retourne à l'information tout de suite. Merci beaucoup messieurs et encore félicitations. Pas de problème. Merci. Merci monsieur Felder, on coupe. On vous aime. Et nous pareil, nous pareil. Allez, go hélico. Go. Ça c'est une course en plus pour avoir les crédits ici après. Je veux pas le savoir. Hop, on y va. L'info n'attend pas. Exactement. Je repose la caméra dans l'hélico. Vous avez bien raison. Hop. Attendez, je grimpe dans mon hélicoptère. Voilà. Je suis monté du même côté que tout à l'heure, comme ça... Oui, c'est mieux, pour moi, ce sera plus simple. Allez, c'est parti, direct. Hop, je repars. Hop, c'est parti. Alors, j'ai pas d'informations, je vais rallumer ma... Oui, allez-y. À mon avis, c'est la même course. Hein. Je pense. Ah. Et du coup, on rappelle le format de la course, c'était fait avec des copilotes. Donc c'était les copilotes qui avaient le tracé de la course et les pilotes n'étaient pas censés l'avoir. Logiquement, c'est ça, oui. Alors, est-ce que vous voyez des véhicules, monsieur Felder? Pour l'instant, non, je n'en vois aucun. Ils sont partis où? Je sais pas, on a l'ambulance, par contre. Qui... Bah, peut-être à gauche. Non. Ah si, à gauche. Venez voir déjà... de loin. Ils sont déjà loin. Ouais. Vous allez tout droit là et puis on devrait y arriver dans pas longtemps. D'accord, ok, très bien. J'ai zoomé à travers le capot. Ah, ils sont déjà dans la dernière partie, dans la dernière section là? Ouais, je commence à voir un peu. Mais ils sont où? Là, on a le véhicule rouge. Un. Ah, d'accord. En dessous okay. De nous, ouais, en dessous de nous. Ok, allez-y, je vais vous remettre à l'image. Hein. Ouais, quand vous voulez. Attendez, je vois pas encore les participants que c'est. Et nous sommes en direct pour la deuxième manche de la course. C'est donc pour départager, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, vous êtes en direct. Et on peut apercevoir qu'ils attaquent la dernière section. Ça enchaîne des virages de chaque côté, de gauche et de droite. Qu'importe le sens favori et préféré de quelqu'un. Et on voit, c'est une voiture de quelle couleur en tête, monsieur Felder? Rose. Rose, bonbon. Rose. Excusez-moi pour le tangage, j'étais pas trop là. Pas de problème. Oula, ça s'est planté là. Ah oui? Oula, oui, la voiture rose bonbon qui s'était plantée, elle s'était prendre la première place par la voiture au néon bleu. Ok, on observe ça, ouais, on observe ça. Ça fait le tour là, oui, donc ok, il y a eu un problème. Ça se suit de très près, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes, je crois. Alors, qui a récupéré la première place? Qui ne l'a pas récupéré? Qui c'est qui a passé la ligne première? La voiture bleue semblerait avoir gagné la manche. Il se rentre dedans. Putain, on va pas regarder ça. Non, ça on va pas regarder. Oulala, je me rapproche des câbles électriques. Putain. Faites attention. Ok, j'ai récupéré mon image. Vous pouvez sortir de la caméra si vous le souhaitez. On retourne à la ligne de départ. On va essayer de les récupérer tout de suite ici. En espérant qu'on n'a pas fait cramer la course des autres. Non, mais j'avais entendu dire qu'ils étaient qualifiés. Par contre, excusez-moi pour ça, c'était ouais, un peu. Ouais, du coup, moi j'ai pas plus beaucoup d'essence, donc on va juste se renseigner, savoir s'il y a d'autres courses. Et s'il y en a pas, s'il y en a d'autres, je vais aller changer d'hélicoptère. Hein, parce que là, je vais essayer de faire quelque chose. Hein. Je crois que j'ai un jerrycan. Moi aussi, c'est vrai. On pourrait, c'est toujours ça, mais bon, faut voir. Belle voiture. Est-ce qu'il y a un flic qui traîne là-dedans là? Non.
Cherchez des gars, vous êtes toujours sur le canal vous êtes toujours sur le canal 555? Oui. Ok. Bah vous pouvez demander si dedans. Putain, ils avaient le son à fond eux. Allez, on met un petit peu de son en attendant. Du coup, là, il y a déjà eu deux manches de la course. On a interviewé les gagnants. Alors moi, j'ai un petit bug avec ma caméra au bras, hein, je vous l'accorde. Et les gens ne voient pas cette caméra. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, je suis satisfait de... Je suis content des commentaires de mon petit monsieur Felder là, il a été cool comme tout. Ouais, il a été cool, il a été surtout pertinent et c'est bien le genre de choses qu'on demande. Mais non. Donc a priori on s'est fait tirer par des moldus parce que on était trop proche. Bah c'est ça, l'histoire qui nous a ramené pour nous amuser. Excusez-moi. Ouais. Bah, vous côté, savez hein, s'il y a une autre manche ou pas de la course? Ouais, normalement il va y en avoir encore une. Attends. D'accord, non, okay, mais notre voiture elle est à droite hein, si tu regardes bien. Oui, oui, t'inquiète, j'ai vu, mais je te dis juste de mettre le truc arrive vu qu'on va. Bon, on est pas teubé. Ok, ouais, pas de problème. Toi, le problème. Ramirez, je crois que vous parlez très fort. Très fort, très fort. Ouais, mais déjà de base, vos cordes vocales sont plus fortes, mais je crois qu'en plus vous êtes en train de crier. C'est quoi ce véhicule? Bah c'est le véhicule de notre sponsor. Ah ouais. Pas dégueu. J'ai une question. Vous êtes connecté bien sur la radio Ah oui, oui, mais des fois je déconnecte, c'est pris trop et du coup pour... Question, vous avez bien filmé le crash ou pas des jaunes? J'essaye, mais attendez, j'entends rien du tout. La course de tout à l'heure, là, on a raté une partie parce qu'on est en train d'interviewer des personnes. La deuxième merde, course. Vous avez dû... Ouais, deuxième. Non. Le crash des jaunes, c'était sur la deuxième course? Ouais. Ah non, on l'a pas, on l'a pas. Ah merde. Ouais. J'ai un crash des violets par contre. Enfin, des roses, à un moment, ils rentrent dans des cartons, je crois. Ok, ok. Ben, j'aurais su le trajet. Et j'aurais conduit en même temps. Tu sais, j'aurais fait les deux. C'était bon. Bah oui, c'est non, mais il faut, c'est votre véhicule, hein, moi je dirais. J'aurais pas conduire et. Il va y avoir des courses du coup? Les copies d'autres. Ouais, il y a une autre course. Oui, c'est la dernière, la course finale. Bah non, mais. Très bien, merci. Moi je vais essayer de économiser l'essence et on va le faire. Et restez sur le canal 555 pour savoir quand est-ce que ça va démarrer. Waouh, ça loue des caméras en or maintenant. Waouh. Mais est-ce que vous n'avez pas un bidon d'essence kérosène? Cool. Ça sera plus simple pour votre hélico, non? Bah si, mais bon, je vais mettre quoi? Je vais mettre 5%, je vais lui en mettre, hein, mais bon, vous êtes mignon. Bah vous savez, moi j'étais à 40% avec mon bidon et j'ai mis à 70, hein. Non, c'est vrai? Bah ouais. Ok, j'espère qu'il est plein. Je vous invite à faire ça. Merci. Alors, mon bidon... Allez, il était à 20%. Pardon, excuse-moi, j'ai ultra chaud là. Oh bah c'est pas mal, c'est toujours ça. Oh bah ça le fait, hein. Putain, j'ai bien fait de prendre un putain de bidon de fuel, mon cochon, hein. C'est génial ça. Ok, il est où, monsieur Felder? Monsieur Felder? J'ai plus un petit peu. Oui. Par hasard, vous avez pas un bidon plein sur vous d'essence? Bah, malheureusement, il est vide. Bon, parce que moi je viens de le vider, je me suis remis à 60% d'essence presque, donc c'est cool, ça oh, va le faire. Ça va le faire. Ouais, ouais. Brr. On dit merci. Au nouveau follower. Zyklon. Juste là-bas, là, il y a une personne. Merci Zyklon pour le nouveau follower. Ça, j'ai ultra chaud. On a les femmes des participants juste là-bas, là. C'est défilmé. On va monter dans l'hélicoptère pour pas louper le. Ah non, ils sont pas sur la ligne encore. Ouais, mais tout à l'heure, ça en. Ah, si, en si, France, si, ouais, ils sont sur la ligne. Go, 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 allez, go, 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 go. L'info n'attend pas avec Wizard News. Exactement, exactement, monsieur Felder. Restez à droite, ouais. Voilà. Ouais, c'est bon, si j'ai. Ok, je vais mettre en face de la. Des gens. Hein. Y'a pas de soucis. Hop, je récupère l'info. C'est bon. Je garde le bandeau, du coup, là, pour la. Ouais.
Bah non, mais faut pas que je prenne cette caméra. Après le zoom, j'imagine que c'était pas pratique. Hein. Bah ça va parce que tout le monde on voit pas très bien. Vraiment le zoom, c'est un... je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, parfait. Là j'essaie de les avoir en plein milieu, mais heureusement vous êtes. Alors moi je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire un truc, de mettre très très proche du chemin et de m'élever lorsqu'ils vont arriver, voyez-vous. Ouais, ça peut être sympa. Pour faire les vrais plans de rallye, quoi. Alors juste là je mets ça et après je mettrai la vraie vue, hein, d'accord. Attends, je vais mettre la vraie vue dès maintenant parce qu'au cas où c'est de la merde. Putain mais normalement j'ai... 1, 2, 3, voilà. Ok, ok. Je les ai vraiment bien en visuel, c'est parfait. Ouais, c'est bon pour vous. Vous êtes bien sur le 555? Ah oui. On est juste peut-être allumé. C'est bon, parfait. J'espère que le départ aura lieu bientôt. Désolé pour cette caméra. Et ben, je veux dire merci à Zyklon pour ta. Je pense que c'est en train de faire un petit briefing. Ouais, bah attendez, je vais me poser un peu parce que là j'en peux plus, j'ai mal. Ouais. Putain, j'espère que j'aurai le temps parce que j'ai presque envie d'allumer le. Je vais regarder votre vue. Le. Je vais vous mettre un petit peu en insight, hein. Attention. Donc restez bien sur la caméra, je vous mets à l'antenne. Ça va lancer, ça va lancer. Ils disent qu'ils viennent de lancer le okay, début. Ok, ok, parfait, parfait. Vous êtes à l'antenne, hein. Alors je vais monter pour la petite motte. Je suis là, l'information a été prise. Ok, je me tourne, je me tourne. Il y a déjà un début, hein, une personne qui s'est crashée dès le début. Voilà. C'est pas disqualifié, hein. Enfin, j'arrive, je fais ce que je peux. Ouais, pas de soucis. Prenez votre temps. En sécurité, bien sûr. Parce bien que sûr. Les éoliennes, ça aide pas. Quand même, c'est n'importe quoi m'imagine. Cette histoire. Qui c'est qui a pensé à faire ça avec des hélicoptères? Attention! Mon dieu! Putain de con. Ok, allez-y, on poursuit. Ah, ça aurait fait une bonne information là par contre, oui. Ok, ça continue. Oh, un véhicule qui s'est. Ah non, un véhicule qui a un problème, j'ai l'impression. Vous avez de l'image? J'ai de l'image, ça continue, c'est bon. De faire demi-tour. Alors je comprends pas trop ce qui se passe. Oh. C'est comme tout à l'heure, hein, ça a pas changé. Hein. Ah pardon, excuse-moi, je vous remets dans le bon sens. Ouais, parce que j'étais un peu biscornu. Voilà, ils arrivent. Ok. Il y a eu pas mal de sorties de route. Ok, j'ai l'info, voilà, c'est parfait là. Un véhicule qui a pris la tête. Oula, attention. Ah, besoin de MS, j'ai entendu à la radio. Ok. Donc a priori il y aurait déjà un véhicule qui aurait eu un accident. On va se rapprocher de la tête. J'ai des informations là. J'ai. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des demi-tours qui ont été faits. Un véhicule qui a bizarre, c'est bizarre. Demi-tour. Je comprends pas là ce qui se passe là. Je vais pas vous mentir qu'il y a des. Je sais pas, je vais essayer de me rapprocher. C'est n'importe quoi, là il y a un véhicule qui fait demi-tour, des EMS qui roulent dans les champs. C'est bien, ça fait du plan, ça c'est bien, ça fait de l'info. Ah ok, la course reprend, vous avez vu? Ils sont là, hein, vous les avez? Ouais, je suis là. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il fout là? Il sort d'où lui? La rouge qui sort de nulle part. Oh là là, moi j'ai vu un truc de ouf, hein. Il y en a qui ont percuté d'autres personnes, oui, à ce qui paraît. Oui, il y a la voiture bleue, moi j'ai pas l'image, mais je me rappelle. Hein. J'ai la voiture bleue qui est arrivée de nulle part et qui a percuté les deux ou troisième. Ouais, voiture, elle a été disqualifiée cette voiture. Chez. Enfin, je veux dire, bien fait pour eux. Ouais, bien fait pour eux, exactement. Ah, j'ai la voiture au néon violet, la voiture rouge qui a une tête énorme. Hein. Elle est devant toute l'équipe d'en face, c'est vraiment magnifique comme elle a la tête. Là, il y a impossible à rattraper. Hein. Et la troisième voiture qui est en panne, a priori. Information radio, l'équipe rouge aurait triché pendant la course. Oh non. L'équipe rouge, hein.
qui a apparemment percuté, enfin qui a apparemment triché, pardon. Ça expliquerait bien sûr bah, la différence de distance entre les deux. Oula, j'ai absolument. Hop, ça continue. Ah ouais, bon, celui-là, vraiment, il y a une distance énorme. Hein. C'est quand même compliqué à croire qu'une distance est plus formée. Ok, donc il y a des gens qui sont positionnés à l'arrivée pour récupérer les informations. Là, je vais l'avoir, l'arrivée, si... Oula, si ça tangue pas trop. Okay, ça va tourner, là, c'est le moment. Ok, la rouge. La rouge, je sais pas... Qu'est-ce la rouge s'arrête. Oh, elle a fait la rouge qui a fait demi-tour, elle percute. Ah, la percute, oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Et toute l'information là, on dirait que c'est Within News. Tout est filmé. C'est bon ça. Elle s'est fait reprendre la première place. Oula, j'essaie de te sauver pour avoir. Il commence le deuxième tour là. Attention, autour des morceaux d'éoliennes. La voiture rouge qui n'est pas en première position, ça va peut-être la forcer. Et c'est la voiture rouge en deuxième position. Et la voiture chrome en deuxième. Première, pardon. C'est beau. Ok. Merci, monsieur Felder. Ok, très bien. C'est bon. Je peux couper ou pas? Ouais, allez-y. Vous pouvez couper. Retournez à l'arrivée. Ouais, j'y vais. Ouais, parce que là, ils viennent de dire à la femme à la radio. Rouge en deuxième position, tandis que la voiture chrome, donc c'est des EMS à ce qu'il paraît, sont en première position. Mais elle a pas triché normalement la voiture rouge? Bah, j'ai les informations comme quoi non, c'était pas de la triche, mais elle a quand même rentré en plante dans l'autre. Mais finalement, ça lui a plutôt fait perdre la position. Oh là là, j'ai eu trop rep. J'ai eu rep, non, d'une pupille en wab. Pipe en bois. C'était une course, la dernière course était plutôt folle, hein, entre des personnes qui faisaient n'importe quoi, des triches, la voiture rouge, hein, qui a assez fait. Surtout, on a eu des images, surtout, c'est ça qui est bon, ça. Ouais, on a eu les images, sur toute la percussion, quand c'était percuté, c'était... Prenez vite votre caméra. Je ferme mes yeux. Ah, vous l'aviez dans votre caleçon, putain, quel beau caleçon. Oui, je l'avais porté dans mon sac à dos, imaginaire. Par contre, je sais pas si... J'essaie de me poser sur l'arrivée, attendez. Ouais. Mais l'arrivée, qu'est-ce qu'il raconte là? Ils sont en train de venir ou pas les gens? Ah bah on m'a dit qu'il y a du rendez-vous ici, donc après je sais pas ce qu'ils font. Donc je rappelle à ceux qui viennent me rejoindre, j'ai pas la caméra dans la main, c'est un bug graphique. Si je fais ça, non, il la retourne dans la main, ça va pas du tout. Ouais, c'est reçu aussi. On a eu les images, nous, hein, qu'il y avait tout était bien passé, ils sont complètement juste trompés. Hein. Ça a même percuté l'autre voiture aussi. Ah là, la voiture rouge qui essaie de trouver des excuses, hein, parce que ce qui paraît. Ah, allez, je coupe la radio parce que ça n'a rien à voir. Ouais, la voiture rouge, je disais que comme vous, il y avait des caisses qui étaient mal positionnées, du coup, ça les a induits en erreur, etc. Enfin, bon. Plein d'excuses pour être premier. D'accord. De toute façon, fort heureusement, c'est pas à nous de choisir de faire les commissaires, les juges et tout. Nous, on était spectateurs et téléspectateurs. Du coup, rendez-vous au départ. Vous venez de demander ça? Ouais, tout le monde revient au départ, c'est bon. Ok, cool. Après, je coupe la radio. Très bien. Je prends les infos. Vous avez raison. Enfin, les barrières, elles sont tombées de partout. Il n'y a plus une barrière en place. Hein. On va voir les véhicules qui reviennent. La police. Allez-y, cadré, je vais vous mettre dedans. Oui. Appelez le son. 10. Les voitures, encore des polices. Oula. Comment ça va? Ça roule à toute berce. Oh là là, mais c'est ce bordel.
et moi tout le monde trouve ton bonheur est plus fait du corps. Tu t'en voilà, les poches sont pleines, tu vas l'attarder. Un joint de la taille ta mère. Par contre, les gens avec leur radio là, c'est casse-pied là. Ah, mais c'est très casse-pied. Dis-je alors que j'ai une radio là. C'est normal là. Ah, d'accord, je vais les ont Il y a la télévision, un peu de calme. C'est quoi ces radios, les gars, là? Bon, les fesses, s'il vous plaît. C'est qui, Allié? C'est nous. DJ Leska! DJ Leska! Mais c'est quoi cette radio? C'est quoi encore lui! Encore nous! C'est déjà Dieu! Vas-y, je me casse. Mets-toi en position, bye. C'est un truc de ouf. Bye, ce soir, on fait nos bye. C'est un truc de ouf, c'est beaucoup trop fort. Moi, je supporte pas ça, hein. La musique est ultra forte, hein. C'est de la merde. Ça fait plaisir à voir. Putain. Pardon ? Oula, les dames qui... Je vous mets en direct, monsieur Felder, allez-y, cadre. Allez-y, je cadre. Alors, pardon, ne cadrez pas trop sur les parties intimes de la dame, hein. Oui, restez respectueux. Oui, y a pas de soucis. Merci beaucoup. C'est pour la news. Ouais. Mais lui, l'hélico vient de se poser. J'ai remis mon image, monsieur Felder, merci. Journaliste, pour finir, il y a eu que deux gagnants. Monsieur Batman, oui. Vous me suivez, on fait l'interview autre part parce que là ça va pas aller. Hein. Okay. Les gens ils sont vraiment. Ils chahutent. Ouais, venez à ma place, monsieur Felder, là. Mettez-vous ici. Oui. Voilà. Okay. Et monsieur Batman, on se met ici. Comme ça on fait un beau cadre. Vous m'avez, monsieur Felder ? Je vous ai parfaitement. Voilà. Ok, bah allez-y. En gros, la dernière partie de la course, c'est. Pardon, comment ça, monsieur ? Entre guillemets bien déroulé. Sauf qu'on a eu un problème avec la voiture balai. C'est le mien. Qui a fait un hors-piste. En gros, elle a dû s'arrêter vu que son pneu s'est arraché et tout. Uh-huh. On a eu une autre voiture qui, je sais pas ce qui s'est passé, mais s'est mis à un moment faire du contresens. En gros, on a dû la disqualifier. Uh-huh. En gros, là, il n'y a eu que 4 gagnants. Les premiers, c'est l'équipe des EMS. Oui. Et les autres, c'est... T'avais vite, toi aussi. Je me souviens plus de leur nom de team. Je crois pas qu'ils ont de nom. Je crois que c'est ceux les qui sont en rouge, c'est pas les racailles de Shanghai. Si, ils m'ont dit, c'est les racailles de Shanghai. Ah, je crois que c'est eux, alors. Oui, ça doit être eux. Voilà, en gros, deuxième place pour eux. Par contre, vu qu'il n'y a pas de troisième place, oui. Le cash price reste le même pour première place et deuxième place. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y avait combien de participants en tout ? Putain, mais... On a eu 9 participants en tout. Attendez, j'en peux plus. Qui c'est qui parle super fort là avec le. Soir, attendez, faut que je trouve la personne qui parle. Oh oui. Oh, la féminisie. Madame, monsieur. Madame, monsieur. S'il vous plaît, là. Oui. Vous parlez extrêmement fort. C'est impossible de faire une interview. Vous allez faire vos échauffages ou frotter vos fesses sur d'autres personnes et loin d'ici. Oh. Mais monsieur Manfred, ne soyez pas jaloux. Je suis pas jaloux, je m'en fous. Vous avez des cordes vocales trop fortes. Ça va tranquille. Il m'a niqué mon interview. Monsieur Manfred. Il m'a niqué mon interview, la prosti par patati. Bah, monsieur, vous voulez pas qu'on aille vers l'hélico ? Venez, nous, on va aller vers l'hélico, ce sera plus. Ah, ça me pète les pieds, c'est ça. Ok. Vous nous suivez, monsieur Felder ? Je vous suis, y'a pas de soucis. Merci beaucoup. Moi je propose qu'il se mette là-bas dans les buissons. Et on se met ici. Alors moi je propose, parce qu'en fait c'est moi le caméraman déjà. Oui, bah oui, désolé. Du coup, moi je propose que vous vous mettiez là pour avoir l'hélicoptère et les gens qui sont là-bas en même temps, vous voyez ? Oui. Est-ce que les Chinois ont vraiment triché ou pas ? Mais moi j'ai pas vu qu'ils ont triché, hein. Ok, donc si c'est on a rien vu, c'est qu'il y a rien. Moi j'ai pas vu qu'ils ont triché. Parce et les autres comme quoi on m'avait dit qu'ils avaient triché. Non, les autres qui se plaignent, eux ils ont fait des contresens et tout, hein. Ok. C'est Felder ? Oui, je vous aide, c'est Moi je voudrais que vous veniez à ma place ici là. Très bien, je prends parce que le but c'est nous on va se mettre. Monsieur Batman, vous pouvez vous mettre juste à côté de l'hélicoptère s'il vous plaît pour le cadre ?
Ok, ok. Le but, ce que je voudrais, monsieur Felder, voilà, c'est que vous preniez. Moi, je vais être juste à côté de. Je vais être à la gauche. Je vais être à droite, mais à la gauche de monsieur Badman. Il faut voir l'hélicoptère et en contrefond. Bah, venez à ma place, je pense. Par ici. Un peu plus sur votre gauche. Et le but, je vais regarder votre caméra de contrôle. Et le but, c'est d'avoir nous avec en fond les autres petits gars. Comme ça, vous pouvez faire des petits zooms si besoin. Ok. Alors. Ok, c'est très bien comme ça. Restez là, c'est parfait. Ok, monsieur Badman, je vous en prie. Alors, on va pouvoir reprendre. On va recommencer toute l'interview. Vous dites juste le classement, comme en plus c'était un peu balbutiant. Donc, il y a l'équipe de ZMS, les racailles de Shanghai, et vous me dites combien il y a eu de participants et 2-3 faits divers de la course. Ok, bah voilà, c'est on va reprendre les débuts. Pas lui, hein. Bah, si je sais pas, oui, c'est vrai. Bah oui, je suis assez d'accord. On m'a pris moi parce que voilà, j'ai vu toute la course. Parce qu'il était en costard, quoi. Hein. Ok. Ah, c'est génial. Quand ça commence. Alors, ouais, un instant, je regarde sur mon cadre. Je dis quoi, je dis est-ce que vous pouvez vous écarter un tout petit peu sur votre droite? Voilà, pour que je puisse tendre mon bras. Voilà. Ok, parfait. Du coup, vous nous dites le nombre de participants, le nombre d'inscrits de participants, de voitures qui ont pris le départ, et le nom de l'équipe des deux gagnants, quoi. Et puis la valeur du cash prize, et puis 2-3 faits divers. Ok, ok. Dis-moi quand c'est bon. Tu fais une intro ou pas? Ouais, je vais faire une petite introduction. Ok. Et voilà, nous sommes donc à ta mère, à la chienne. Non, c'était une blague, je recommence. Là, et en direct du parc d'éoliennes, où a eu lieu le premier rallye du parc. Le rallye qui vient d'avoir lieu, qui vient de se finir, eh bien écoutez, globalement dans la bonne humeur et dans la sécurité. Mais on va laisser tout de suite l'organisateur nous dire les détails et les infos. Ok, donc premièrement, merci à tous d'avoir participé et d'avoir travaillé à nos côtés. Je trouve que c'était une grande réussite, on est plutôt fiers de nous. Au niveau des participants, on a eu une grande surprise, c'est qu'on a eu 8 équipes. Du coup, en tout, il y a eu 16 participants avec un copilote et un pilote à chaque fois. Ils sont partis 4 par 4 à chaque fois. Il y a eu 2 gagnants. Les autres étaient tous disqualifiés pour des sorties de route ou des accidents. Les premiers sont l'équipe des EMS. Et les seconds sont l'équipe des racailles de Shanghai. Le cash prize, il s'élève à 50 000 euros. Donc, oui. Je disais à 30 000 pour le premier et 20 000 pour le second. D'accord. La course s'est déroulée vraiment avec succès. C'était une première course test pour prochainement peut-être ouvrir un championnat de rallye. Ah oui. Qui va se faire peut-être toutes les semaines. J'espère que ça va se faire. On doit encore attendre l'accord du gouvernement. Mais c'est sur de bonnes voies pour le moment chez nous. Eh bien écoutez, nous en sommes tous ravis. Effectivement, nous aussi, on avait l'impression que l'événement était très bien organisé. Il y avait beaucoup de secours, beaucoup d'encadrement, de police, de secours et plus encore. Et du coup, je pense que c'est les bons éléments qui vont aider à pérenniser ce genre d'événement et faire surtout que ce sera bientôt un rendez-vous culte, j'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup monsieur, à bientôt et à bientôt. Merci à tous les participants et on en profite eh bien, pour remercier nos sponsors, les organisateurs pardon, de la course. Eh bien, il y avait nos amis de la LSPD ainsi que les EMS et bien entendu votre concessionnaire préféré Luxury Cars qui eh bien, a fait la dotation des véhicules. Les véhicules étaient prêtés, c'est cela? C'est ça, ils nous ont loué les véhicules gratuitement, donc c'est assez sympa de leur part. Ça comprenait l'essence, les pneus, l'essence, tout ça? Les pneus, juste au niveau des réparations et des soins EMS, c'était payant. Mais ils d'accord. Ils nous ont fait aussi un prix sans TVA, donc c'était assez cool. Attends, génial, génial. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Gordon Freeman, accompagné de David Felder, en direct pour Weasel News. Et c'était avec vous cette belle soirée, la première soirée de Rallye du Parc. Au revoir. Et là, vous dézoomez, monsieur Felder. Ah bah, vous êtes déjà arrivé. Bon, c'est pas grave. C'était une bonne fin de plan. Bon, je reprends l'antenne. Parfait. Je vous laisse. Merci. Merci beaucoup. Hein, merci. Bon bah, c'est bien ça, mon petit lapin en sucre. Enfin, cher ami. Vous avez réussi à entendre quelque chose de là où vous étiez? Bah, malheureusement, ça a été compliqué. En fait, le problème, c'est que je sais pas pourquoi, il y a un problème avec la caméra. C'est que des fois, ça bouge tout seul, en fait, mon personnage, mon corps. Je sais pas, c'est des petites pulsions, du coup ça me déplace tout doucement comme ça, donc j'essaie de recadrer. Mais en fait, je vous entendais pas par contre. Mais des fois j'entendais.
Désolé pour les mécanos, mais là j'avais pas ma fiche sous les. Je mettrai dans l'article, t'inquiète pas, puis je sais même pas si je vais prendre ce truc là, mais désolé. Et du coup, j'ai mon oreillette qui me signale que je n'avais pas remercié les mécanos. Ah ouais, bah on peut y aller voir. Et je pense que. Non, mais c'était par rapport au plan juste avant quoi. Oui. Donc j'ai pas fait ça tout seul, hein, juste pour vous prévenir. Monsieur Baptiste aussi, est-ce qu'on pourrait faire une interview peut-être à deux? Oula. Une interview à deux, oui. Probablement. Ouais, papa, parce que... je sais pas, ça pourrait proposer du contenu ou. Allez, hop. Bah donc, oui, d'accord. Bah on va trouver un autre lieu d'interview, ouais. Monsieur Felder. Mais peut-être à côté des gagnants. Mais le problème, c'est que si on se met à côté des gagnants, il y a des grandes bouches, tout le monde fait que parler, ouais, on entend tout, ça casse les pieds. Donc on se met loin des gagnants et on les cadre. Essayez de parler aussi, essayez de crier, oui, limite, enfin pas de ouais, crier, moi je mais je mettrai la caméra. Je crie. Moi aussi je crierai. Mais juste. Mais ils vont tous entendre et ils vont être vénères quoi. Attends, je vais leur dire une petite annonce, je vais leur expliquer un peu. Par contre, monsieur le journaliste Manfred. Mais c'est monsieur Manfred ça. Je crois qu'il y aura une information qui sera vraiment très intéressante de la décision de monsieur. De la team EMS. Ils ont fait un chat de choix. D'accord. En fait, que les gagnants, ils vont donner tout au deuxième. Monsieur Adam, ça va faire bien ça, l'article et tout. D'accord. Bien, oh mignon. Non mais, ton micro, putain. Tes cordes vocales, elles sont casse-pieds. Alors, mesdames, messieurs, je voulais vous expliquer, c'est le journaliste qui vous parle ici même. On va faire une interview. Attends, je range la guitare. On va faire une interview, les gars, mais par contre, de loin, de la LSPD et tout, parce que sinon tout le monde va parler. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas tous trop parlé en même temps, mais bon, profitez du spectacle quand même. Tu peux te reculer un peu. Alors, est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Storm de nous rejoindre, s'il vous plaît? Il est en train d'arriver. D'accord, superbe. Très bien. Est-ce que vous voulez faire l'interview, mon petit lapin? Oh là, je vais vous laisser taire, je vais apprendre, et après, écoutez, dès que je serai formé... Très bien. Je prendrai les autres. Alors, J'essaierai juste de me caler parfaitement pour que j'ai presque que plus besoin de bouger. Ouais. Il arrive. Du coup, allumez votre caméra que je regarde sur mon flux. Oh, attendez, vous allez rester ici pour l'interview du coup? Non, mais mettez-vous par là. De toute façon, moi je suis en. Ah oui, mais tout le monde m'entend crier, pardon. Mais je vais essayer de reculer parce que là. Non, mais je vais pas rester là pour l'interview, mon petit lapin. Je veux dire. Après, j'aurais distribué à tous une bouteille de champagne pour les photos. Donc si vous voulez prendre des photos. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Il manque pas une équipe? Non. Ils sont deux là, moi je vois sur le véhicule. Il y en a trois sur le véhicule. Ah bah moi j'en vois une. Bon, je vais faire ce plan là et quand on fera l'interview, vous le ferez, d'accord? Il n'y a pas de soucis. Ah ouais, mais non, il est décalé. Je vous donne la caméra? Donc vous voulez faire l'interview de nous deux? Attendez, on va prendre juste un petit plan du champagne. Oui, désolé. Donné l'argent, je vais faire avec mon téléphone. Putain. Hein. Ah bah alors j'arrive. Pas encore, pas encore. Vous pouvez garder la caméra. Hop. Parfait. Nous pouvons voir les gagnants qui sont en train de célébrer avec leur champagne. Champagne en main. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Les trois sont en train de souquer le champagne. Quel beau plan. Et la voiture qui ne ploie pas sous leur poids. Putain, mais vas-y, en plus, une bégaye. C'est génial. C'est bravo, ils font péter les bouteilles, les bouchons quand ils veulent. Hein. Ils sont disciplinés. Hein. Ouais. Disciplinés, ok, c'est bon pour moi. Ça, c'est bon pour moi, et on va faire... Arrête de courir, toi, du con. On peut pas avoir le champagne. Ils arrivent. Ok, c'est bon. Ils arrivent tout de suite. Ok. Faites des petits plans. Hein. J'y vais. Moi, je prends quelques clichés pendant ce temps-là. Une annonce à faire, les gagnants. Ouais. Ah. Allons-y. Les gagnants ont une annonce à faire, apparemment. Ça va ken du gagnant. Ah monsieur à télévision. Je vais me prendre des dollars. Alors, ouais. Oui. Alors tu te fais le premier. Vous entendez bien? Oui. Ouais. Alors on aimerait annoncer que nos gains vont être donnés à,
à l'équipe qui est arrivée deuxième. Attendez, attendez, malheureusement, ça arrête pas d'ouvrir sa bouche. Pouvez-vous vous faire un instant? Allez, 10 secondes, merci. Vous pouvez recommencer l'annonce, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Je disais, les EMS, l'équipe EMS, nous donnons tout le cash prize que nous avons reçu en tant à que la premier. Deuxième équipe. Voilà. Oh. À la deuxième équipe. Fair play. Bravo, 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 bravo. Merci bravo. Messieurs. Peut-être que quand on voit une telle voiture, attention. Pas de chamaillant, c'est parce que c'est le pilote qui voulait être copilote, c'est ça, j'imagine. Ou le contraire. Non. Sinon on aurait perdu. Totalement. Je suis d'accord. Oh là là, oh ça clash. Ah non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité, je sais pas. Du coup, je viens remettre l'argent au vainqueur. Attendez, je vais chercher la monnaie. Allez-y. Attends, je vous donne la mallette. Attends. Gardez le plan, monsieur Felder. Hein. Dans la caméra. Oui. Je vais bouger. Filmez ça, monsieur. Si il veut, hein, on va arrêter de donner des ordres. Regardez hein. Le policier qui clape des mains avec son arme, ça fait un bruit de métal. Cling, 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 cling. Non, c'est 50, ça coûte 60. Même. Donc voici l'argent que... Après les chats dans la gorge, génial. Les motos dans la gorge. Les pites dans le cul. Voilà. De rien. C'est qui a ramené la prostitute ici? Bonne soirée. Non mais, Nec, yes. tu l'as donné 50 000, mais donne-lui oui. Sa part et la part des troisièmes. Non, les troisièmes, ils ont décidé que non. Ok. Et donne-lui sa part du coup. Ah bah, il a eu sa part, 50 000. Ah. Il a eu full cash prize. 30, 30, 20 et 10. Monsieur Felder. Ah d'accord. J'ai eu 30 et 20. On va prendre les impressions du premier là, avant qu'il se casse. Ah d'accord. Il est où, il est où tu te touches même pas avec... Monsieur le chinois. J'ai pas vu le monsieur le chinois, il est où? Monsieur Clabit, hein. Je sais pas. Oh là là, mais c'est quoi cette cour de récré là? Putain, c'est un chien. Ah, mais attends, j'ai laissé la caméra de monsieur Felder. N'empêche qu'au passage, moi j'ai. Alors, monsieur Felder. Oui, je suis là. À l'avenir, quand on est dans cette configuration très spéciale où je switch sur votre image avec mes boutons de réalisateur, lorsque vous quittez la caméra. Faut absolument que vous me le dites. Vous me dites je suis off ou je sais pas quoi pour que je remette la vision normale. Ok, très bien. Pour les équipes, c'est tout quoi. Ok, très bien. Bon, il faudrait trouver voilà. Monsieur Storm. Bah, allez, hop, j'y vais. Monsieur Storm. Monsieur Tempête. Monsieur Storm. Monsieur Tempête. Ouais, Monsieur Storm. Monsieur Tempête. Ah, là-bas. On est là. Ouais. Ok. Ah mais putain mais. Oh les gars, c'est bon. Vous pouvez circuler, on doit juste faire un petit truc. Si c'est possible de rentrer dedans par contre, ça mange. Je teste un truc. Normalement la musique elle devait se couper là. Allez, vous me dites. Ah j'ai fait exprès. Ouais un petit instant. Y'a pas de soucis. On dit quoi? Je sais pas, on va répondre aux questions. Mais moi j'avais déjà fait une interview. Monsieur Storm, on a fait ou pas? Oui. Pouvez-vous mettre ici s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre à ma place? À votre place? Ouais, merci. Et monsieur d'accord. Felder, vous venez là s'il vous plaît? Ah, on le problème c'est que là je vais être extrêmement haut, hein. Non, c'est vous? Ah, et vous arrivez pas à cadrer quand c'est trop haut? Ah, si, c'est bon, là c'est... Non, c'est bon, ça va. Mais voilà. Ça fait un peu bizarre, mais si vous voulez. Tout le monde avait la voiture derrière tout à l'heure, c'était bien. Ouais, mais là on peut voir la voiture que... et l'hélicoptère, etc. Ouais bah moi je vais pas avoir l'hélicoptère ni la voiture. Bah dézoomer, on peut rapprocher la voiture, hein, on peut rapprocher la voiture près de l'hélico. Attends, on peut rapprocher la voiture près de l'hélico sinon. Comme vous voulez. Ça sera plus simple hein, pour vous. Bon bah oula. Vas-y rapproche la voiture près de l'hélico. Allez hop, allons-y. Ma belle omnis. Allons-y. Parce que les plans zoomés je trouve ça plus... Bon bah tout le monde court alors on court aussi. Ça tire, ah. Ça a tiré. Ça tire là-bas. Ah totalement, j'ai carrément... Mais qu'est-ce qui se passe dans ce quartier là? Des balles sont tirées par les agents de police.
Au secours, j'ai peur. Mon dieu, mon dieu. La police tire sur des moldus. Oula, ça se tire dessus. Vous êtes à l'antenne, ça monsieur Felder. Hein. C'est bien. C'est incroyable. Ouh, ça se rentre dedans. Le commandant de la LSPD touché par ses propres collègues, attention. Non, c'est pas possible. Comment allez-vous? Oula, attention, ça s'est tiré dessus, ça s'est... On a des hommes à terre partout. Des hommes à terre. Jésus, Marie, José. C'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer, je ne sais pas d'où sortaient les premiers coups de feu. Je ne sais pas non plus, mais c'est des civils passés par là, je pense que c'est des gens qui n'ont pas été sélectionnés pour la course, qui ne devaient pas avoir les critères, et je pense que c'est entre la jalousie et le règlement de compte, c'est très étrange. Ça court là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Alors que tandis que d'autres participants sont tout calmes, de l'autre côté... Il y a des personnes à terre, hein, malheureusement. Mon dieu. Et c'est qui, lui? Pour qui il s'est pris? C'est incroyable. Bonjour, messieurs. Ah, c'est l'anglais. Hello, guys. Hello, man. Hello, bro. What's up? He just take out his gun and, you know, he's been shot by some policeman, so it's totally legal. Completely legal. Sur Weasel News. Un homme à terre. Notre hélico qui est là-bas encore, encore en vie. Heureusement, oula, l'antenne. Mais vous inquiétez pas que je l'ai regardé. Oula, parfait monsieur. Je l'ai regardé l'hélicoptère, je l'ai regardé pour être sûr qu'il était, qu'on s'était pas fait pécho. Ouais. Bon, du coup, on l'a fait du coup cette interview après ce truc de l'antenne. Oui, on attend nous. Excusez-nous, mais l'info n'attend pas, que voulez-vous? Ah, ok, oui. Excusez-nous, c'était pas là, on était quand même. On est sur le bus, vous comprenez? Parfait, là c'est magnifique là par contre, oui, on est bien. Alors allez-y, je vais regarder, je contrôle sur mon poste. Je me branche sur ma chaîne, allez-y. Ouais, allez-y, allez-y. Du coup, l'interview qu'on a fait tout à l'heure, vous la supprimez ou pas? On peut la supprimer, je pense. Ouais, de toute façon, aussi, comme ça on a fait à deux. De toute façon, ouais, voilà, si vous voulez, on va juste faire une belle interview. Et comme ça aussi, j'oublierai pas les sponsors parce que tout à l'heure, on m'a dit que j'avais oublié les mécanos. Donc, on répète entre nous, on a mécano, LSPD, EMS... le concess, c'est quoi le nom du concess? C'est Luxury Cars? Ouais, un truc du genre. Un truc du genre, mais si je le prononce pas bien, je vais me faire niquer moi. Le concessionnaire, c'est Luxury. Luxury. Luxury, ok, Luxury Cars. Luxury Cars. Ok. Et vous, Weasel News, du coup? Oui, bien sûr, Weasel News en dernier. Le meilleur pour la fin, monsieur. Attends, mais lui, je vais tirer dessus, c'est pas sa voiture. C'est bizarre, hein. Ok, donc vous pouvez faire le cadre, je vous regarde monsieur Felder. Oui. Faites le cadre sur moi pour que je vous dise. Essayez de rentrer dans le cadre du coup. Je regarde. Là logiquement on aura les trois dessus. Hein. Bah non, putain, là je suis pas dessus. Attends, hein. Allez-y monsieur Storm. Je vais filmer ce qui se passe là. Ça, c'est le bordel, hein. C'est le bordel dans ce pays. Hein. Oula, la SPD qui braque la personne dans le véhicule. Non. C'est braqué là. Ne donnez pas une image bizarre à la police. Non mais moi je donne l'information. Vous avez raison. C'était monsieur Ramirez, alors rien de grave, tout va bien. Continuez. Monsieur Ramirez. Je décris ce que je vois. Ah, mais attention, c'était en direct, hein. C'était en direct, on n'a pas le contrôle, vous savez, c'est comme ça. J'étais pas à l'antenne pour l'instant. Ah, mais non, pas mon hélico. Encore des bikes là. Ah, mon hélico il a disparu. Oh non, il s'est envolé. Mais oui. Mon hélico. Qui a pris l'hélico? Je l'ai sorti en plus du garage. C'est lui avec ses cheveux verts. Bon, bah écoutez, il y aura que la voiture dans le plan alors. Alors là, c'est pas moi, commandant. Oui, je sais, c'est pas toi. Putain, on s'est fait chier à faire le plan, à venir jusque là pour rien. Bon alors, vous pouvez ramener une voiture de flic à côté, monsieur. Vous pouvez ramener une voiture de flic à côté, s'il vous plaît. Là-bas, à votre gauche. Merci. Je sais pas s'il a compris lui. Si. Allô. En face, à gauche. Allô. Putain, c'est. Oh, on a vraiment les pires. Oh non. Mais non. Faut pas le prendre comme ça. Oh. J'ai un beau plan là. J'ai l'impression. Ouais. Ah, par contre, j'ai chaud avec cette combi. Moi aussi, j'ai chaud mais parce que mon costard. J'aurais jamais dû mettre un pull. Moi ça va, je suis bien, je suis à l'aise. Dézoomez un tout petit peu mon lapin. Mais moi j'ai envie de dire, la madame qui est cachée dans le véhicule doit pas avoir très chaud. Bon, ok, c'est bien comme ça. Mais attends, regarde comment il va la cacher. Excusez-moi madame. Oui. On a besoin de faire une interview. Tu veux approcher un tweet? Oui, mais c'est pour ça, personne me voit sur la caméra. Non mais s'il vous plaît. Mais enfin monsieur. S'il vous plaît, j'ai vraiment entendu. C'est vrai, on la voit pas sur la caméra. Mais ouais, elle a intérêt elle va sortir à fermer sa grande mouille.
Pardon ? Mamouille ? En fait, j'ai peur qu'elle ouais, soit. Ouais, c'est dans une série qui s'appelle Camelot. Ils disent ça. Ah, ça va, mais ça putain, va. Putain, mais quel gomme. Mais il fait te niquer ta grand-mère, toi. Eh. Mais arrêtez de toucher. Calmez-vous, la voiture elle est cassée. Touchez plus rien. Touchez plus rien. Ah, c'est génial. Franchement, vous connaissez Benny Hill, les guignols, tout ça ? C'est pareil, en direct. Non, mais il va pas rester dans le véhicule. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, zou, zou. Oh, elle est partie en courant, la dame, elle est partie en courant. Mais c'est un signe de gang. Non, c'est bon. Oh, c'est bon, on va pas prendre 20 ans pour un interview. Allez. Mais 32, pourquoi tu veux sur la caméra ? Oui, je t'ai rien fait. Laissez-moi ce plaisir. Mettez-vous au garde à vous alors. Bon, bref, mettez-vous au garde à vous parce que si vous voulez vraiment être sur l'image, faut pas être déconnant. Parfait. Mais non. On a une personne qui vient de se garer derrière. Putain. Bonjour. Oh, vous faites exprès, je crois. Bonjour. S'il vous plaît, laissez-nous faire l'interview. Ah, c'est un truc. Allez hop, et le civil qui vient de se faire voler son véhicule. Non, merci. Merci. Mais non, par contre, mon 32 n'exagère pas, monte pas sur le véhicule. Allez, bon. Il est cadet, n'est-ce pas ? C'est la bonne. Ouais, okay. Il est cadet ou pas ? La PV pas plus là-bas. Bientôt cadet. Ouais, bientôt cadet, j'espère, hein, parce que là, je comprends rien. Allez, non, ok, vous êtes prêts, les gars ? On commence par Monsieur Storm ? Ou comme vous voulez. J'introduis l'événement, allez, vous parlez, et après, c'est parti. Vous êtes prêts à cadrer, Monsieur Felder ? Je suis déjà en cadre, là. Super, alors je vous mets à l'antenne. Voilà, c'est mon petit accroupissement magique. Et je vais commencer l'interview. Et nous sommes au niveau du parc d'éoliennes qui est à l'est de Los Santos, où a eu lieu la première course de rallye. Et bien... Il y a quelqu'un sur la fréquence, les gars ? Attends, excusez-moi, il y a quelqu'un sur ma putain de fréquence. Ouais. Moi aussi. Petit truc. Alors merci. 13 plus 12. Mais pourquoi il y a des gens qui viennent derrière ? On peut pas juste faire une interview sans que personne vienne nous faire chier ? Putain, alors, ok, moi je suis prêt, vous voyez mon micro, monsieur Felder, c'est bon. Nickel. Oui, tout est bon. Alors, je vais me mettre d'abord face à vous, puis je vais me retourner vers nos amis. Attention, c'est parti. Très bien. Allez, chauffe. Et nous sommes au niveau du parc à éoliennes qui se situe à l'est de Los Santos, où a eu lieu la première course de rallye, et qui, si elle se passait bien, allait en annoncer d'autres pour peut-être un championnat. Mais tout de suite, on va laisser la parole au commandant, monsieur Capitaine Storm. Vous êtes commandant ou capitaine ? Excusez-moi. Commandant. Commandant, monsieur Baptiste Storm, voilà. C'est à vous. Nous vous écoutons en direct sur Weasel News. Eh ben oui, effectivement, comme... Le journaliste vient de le dire. C'était un peu une course test, pour voir si ça allait plaire aux citoyens, si ça allait ramener du monde. Donc je pense que ce test est plutôt concluant de notre point de vue. Hein. Quand même à peu près 11 équipes, si je me trompe pas, 99. 9. Donc okay, ouais. Autant pour moi. 9 équipes, ce qui est un très bon chiffre hein, pour une course. Exact. Donc oui, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on parte sur un championnat. Après, on a des réflexions à avoir sur quelle course on peut faire, quel endroit. Bon, après, au niveau de ce qui s'est passé dans la soirée, je vois ça s'est très bien passé. Mm-hmm. À part, on va dire, les motards du coin qui se sont un peu rebellés, sinon il n'y a pas eu d'incident. D'accord. À part, je sais, monsieur Hamilton qui a eu un accident et qui est actuellement hospitalisé, de ce que je sais. D'accord. Un problème au niveau... niveau de la colonne vertébrale suite à un choc qu'il a eu. Donc j'espère qu'il va s'en remettre et qu'on peut-être le revoir sur nos prochaines courses. De quelle couleur était son véhicule pour nos spectateurs ? C'était le véhicule bleu, je pense. Hein. Ouais, bleu. Oui, avec néon bleu, avec les néons bleus. D'accord, le véhicule bleu. C'est le véhicule blanc, chromé un peu. Voilà, puis il a les néons bleus. Bleu. Ouais, ça c'est sûr. D'accord, très bien. Un mot à rajouter, monsieur ? Ben oui, je demande de. Excusez-moi. Enfin, je dis merci surtout à tous les participants, à tous nos sponsors, à toutes les personnes qui nous ont aidés, à la SPD, aux EMS, aux mécanos, aux concessionnaires, à vous, messieurs les journalistes, pour avoir couvert l'événement depuis l'hélicoptère et le sol surtout. Je tiens à remercier aussi mon ami Baptiste Storm qui m'a grandement aidé à la création de ce rallye. C'est une idée que je lui ai proposée, il a tout de suite adhéré, il m'a tout de suite aidé à fond et on s'est donné à fond pour le projet et j'espère que ça a plu à tout le monde. Eh bien écoutez, toujours merci pour ce résumé très bien. Je vais me permettre juste d'ajouter qu'il n'y avait pas que le journaliste, il y a toute la rédaction de Weasel News.
hein, ainsi que Monsieur Felder qui est à la caméra. Et nous vous remercions tous et surtout la ville, hein, le gouverneur et tout qui ont pu permettre cet événement. En espérant que ça se passe dans de si bonnes conditions pour les prochaines fois et sans trop de triche, bien sûr. Gordon Freeman pour Weasel News en direct de le parc d'éoliennes. À vous, les studios d'IO. Coupé, c'est bon, merci beaucoup. Ah bah nickel. Hop. Bon, super. Par contre, 99. Moi j'ai été sérieux, j'ai même pas rigolé. Dis-moi. Eh, les avocats, on oublie, hein. C'est bien, les gars. C'est bien, les gars. Il y a toujours, il y aura toujours avoir quelqu'un qui va arriver pour nous dire et nous. Mais non, t'inquiète. Si jamais vous écrivez un petit article, vous rajouterez qu'on remercie Monsieur Batman de oui, sa présence. Je le mettrai par écrit. Dans tout cas, Monsieur Manfrey. Oui. Ça serait possible d'avoir un rendez-vous à deux. Oui. Ou à trois. Ou à trois. Et quand bon, ouais, du coup, nous, on va pouvoir rentrer. N'hésitez pas à faire un gros plan sur ma tête quand vous. Monsieur Storm ? Oui. Un rendez-vous, c'est-à-dire pour un article, pour d'autres projets professionnels ? Ah non, c'est Monsieur Batman qui demandait. Ah, Monsieur Batman, pas trop sur mes mains parce que j'ai un peu. Il est où 99 ? Oui, donc Monsieur Batman, vous voulez un rendez-vous oui. pour parler d'autres petits problèmes, de trucs comme ça ? De parler pour. Non, pour monter une pub. Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est oui. Monsieur Felder, vous aviez déjà vu avec Monsieur Felder, c'est ça ? Il vous en a oui, touché oui. deux mots. D'accord. Bah après, oui, il faudra estimer le devis, comment ça va se passer, etc. Pour faire ça bien. On va regarder ouais. ça. Peut-être ce week-end que je regarde. Là, ce soir, on va avoir du taf à la rédaction. Mais avec plaisir, on en parlera. Vous, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est les quelques plans que vous voulez. Si c'est vous qui allez parler à l'image et si on cadre juste cela. Ou si vous voulez un montage dynamique avec des effets spéciaux, du texte. Ah, mais ce sera dynamique. Hein. Bah, il faudra nous écrire une maquette de ce que vous voulez. Okay ouais, vous inquiétez pas. Super, ça marche. Bah, merci beaucoup, monsieur ouais. Batman. En tout cas, merci pour votre sécurité que vous avez apportée aussi. Oh, c'est normal. Hein. Par contre, j'ai une question. Est-ce que vous avez, vous, un véhicule ou pas ? Bah, moi, j'ai un hélicoptère. Tout simplement. On l'avait, je crois. Ah, mais oui, c'est ça que je me demande. Est-ce que je oui. attendais ? Non, on l'a plus. On l'aurait vu d'ici alors. Jésus, Marie, José, putain. Mais c'est bon, même non hélico. Au pire, j'ai ma moto. J'ai ma moto qui est tout en haut. Ouais, vous avez votre moto, bah vous pouvez aller la chercher, monsieur Felder. Je vous attends ici. Ah bah, attendez-moi là. Ouais. Oui. Bon, moi, je demande à la police de faire taxi. Bah ouais, demandez à la police parce que nous, on va pas pouvoir être beaucoup quoi. Ouais. C'est qui cette moto de merde là ? Tiens. Salope. Il a niqué tous mes plans lui. Écoute-moi bien, toi. Eh. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah merde, non, je croyais que t'étais un. Je croyais que vous étiez un moldu, cher monsieur. Qui bougeait ah pas, non, je voulais l'engueuler et passer toute ma rage sur sa tronche. Je me suis fait tirer mon hélicoptère, quoi. Ah bah j'ai justement entendu des gens dire et si on prenait l'hélicoptère ? Non. Je vous jure que si. Non. Si, si. Ouais, mais vous les avez pas vu monter dedans ? Non, je les ai pas vus, mais. Ça va, tout se passe bien ? Ouais, c'est bien, moi j'essaie d'investiguer comment mon hélicoptère il a disparu quoi. Bah, justement, je vous dis, j'ai entendu des coureurs dire et si on prenait l'hélicoptère ? Bah, ouais, mais bon. Ah, regardez, ils vont revenir. Ouais. Attendez, on va avancer un peu. Oui, il aurait entendu des témoins dire et si on prenait l'hélicoptère ? Qui a dit ça ? Moi. Bah, enfin, ouais, moi je l'ai entendu que quelqu'un qui disait. Qui a dit la phrase ? Ah ça je l'ai pas vu parce qu'on était trop mais j'ai entendu dire quelqu'un et si on prenait l'hélicoptère. Après moi je l'ai pas vu s'envoler avec des gens dedans donc je sais pas si quelqu'un a vu ça. Moi je crois même pas qu'ils avaient le droit de lui voler déjà de base. Non, ils ont pas le droit mais vous savez j'ai pas de clé sur mon hélicoptère malheureusement donc. Okay. Bon très bien. Pas merci. Problème. On verra ça. La même, oui. Plaît-il ? Oui, il en a un problème. On est sur la radio de quelqu'un d'autre. Chante, dépêchez-vous. Je sais, on se met sur l'ancienne radio, monsieur, ok ?
Vous me recevez? On est bon pour appeler un taxi, hein. Ouais, mais je regardais, votre téléphone il a changé aussi, vous? Ah, mon numéro de téléphone? Non, 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 le l'aspect du téléphone, il y a une mise à jour. Oui, il y a eu quelques nouvelles applications. Bah, c'est surtout que moi j'ai perdu tous mes historiques. Allez hop, est-ce que cette moto elle marche là? Non, je ne pense pas. C'est les autres enculés là, allez monter derrière, on s'en branle, allez. Par contre, vous mettez votre casque, hein, s'il vous plaît. Hein. Mais j'ai des points de casque, j'ai l'impression. Allez. Tu veux pas le savoir, ah, si. Vous voyez? Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On est tombé sur la radio des malfrats, par contre, j'ai l'impression. Ah, mais alors moi, j'ai pas eu le temps de bien l'écouter, mais effectivement, donc on va retenir. Vous savez, un de mes rêves, monsieur Felder, que je m'étais dit quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit, ça serait trop cool de trouver des radios, justement, comme ça, de chercher des radios de temps en temps. Donc pendant un moment, je m'étais mis. J'allais faire Radio 100. 101, 102, 103 pendant une soirée, je changeais genre toutes les 10 minutes. Oula, oui. Mais bon, c'est super chaud quoi. Je me suis reconnecté en secret sur la radio. D'accord, il faut surtout pas parler quoi. Et du coup, il disait quoi? Vous avez reconnu des voix? Alors, j'ai pas reconnu. J'ai cru reconnaître une voix, mais alors encore une fois, voilà, j'ai cru reconnaître la voix, vous savez, du monsieur que vous avez parlé là à la Trottis Bar. C'est vrai, le monsieur là qui était venu chercher la fille. Ah d'accord, ah celui que vous m'avez dit. Alors attendez, en plus vous avez reconnu son nom de famille que vous trouviez bizarre. Je me rappelle pas du... C'était pas Frank Costello, non? C'était comment? C'était monsieur Warren Johnson. Ah, Warren Johnson, d'accord, donc vous pensez que ce serait lui? Ah, c'est la même voix. D'accord. Ils n'avaient pas l'air d'être très sympathiques, vu que nous avons parlé. Pardon ? Ils n'avaient pas l'air d'être très sympathiques, vu comment ils nous ont parlé. Bah moi, j'ai pas entendu. En fait, si je me suis dit, ça se trouve, il va me dire que sa moto, elle est plus là. Ah bah, tiens, on va créer des embouteillages. Du coup, je me suis calé sur le truc. Et en fait, tout à l'heure, j'avais déjà changé de radio parce que j'avais entendu ça. Donc ça, c'est génial. Et là, ils avaient dit, ouais... Ouais. Dépêchez-vous, changez de radio, vite, vite, dépêchez-vous, avant que ça tourne mal. Oh là, vite. Ah mais et vous avez eu le temps de vous présenter ou pas? Ah bah non, j'ai pas eu le temps de me présenter. J'ai pas cherché à comprendre. Parfait, monsieur Felder, parfait. Batistorm, tu m'entends, Batistorm? Attends, d'où mon live il lag? Ok, cool. Ah non, mais moi, alors après. Encore une fois, comme je dis, moi j'ai pas joué à GTA sur les serveurs depuis longtemps. Donc j'ai pas beaucoup de. J'ai même zéro truc de comparaison avec d'autres serveurs. Mais moi j'étais espanté. C'était vraiment. Déjà au niveau des images, c'est super cool que tous les véhicules ils étaient alignés. Vraiment c'était classe. Alignés les uns les autres. Il y avait du personnel EMS, du personnel machin. Des petits plots à droite à gauche. Franchement c'était bien. Déjà au niveau de l'organisation. Ensuite, si les gens ils ont joué le jeu, copilote machin, c'est vraiment cool. Si, elle a pas l'air de faiblir, hein, ça va le faire. Hein. C'est parfait. Ouais, donc au niveau ça, c'était cool. Après, bon bah, le principe de la course, que ce soit un copilote qui donne le chemin, c'est vraiment cool. Après, je sais pas comment c'était faisable avec eux. S'ils faisaient du Alta pour voir la carte en même temps, s'ils la regardaient sur leur téléphone pendant, je veux dire, en mode HRP, tu vois. Pas comment ils se démerdaient, mais c'est cool. Il faudra penser pour une étape, parce que là c'était un rallye, mais c'était vraiment une petite course. Pour une étape, peut-être pour la finale ou je sais pas quoi, faudra penser à faire un truc qui est sur une plus grande superficie, tu vois, genre qui traverse vraiment, voilà, la montagne, le machin, tu vois. Mais sinon, ouais, plein de spéciales comme ça, des petites comme ça, c'était très bien quand même. Et puis je sais pas quoi, à part 2-3 personnes qui ont essayé de tricher, sciemment ou pas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je
je parle actuellement avec donc Batim Storm, hein, le chef de la police qui avait organisé l'événement. Qui a la gentillesse de jeter un œil au stream. Ah. On est presque arrivé. Yep. On a réussi. Vas-y. Oh. Pardon. Dominique est pas là, ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez vous écarter du véhicule, s'il vous plaît? Parce que ce véhicule de merde... Oh putain. Oh, oh, calme, calme. Non, non, écartez-vous de la moto, s'il vous plaît, merci. Vous allez bien, madame? Voilà. Dame. Voilà. Oula. Donc je rappelle à mon auditoire que j'ai pas la caméra, c'est un problème de notre affichage, les gens ne voient pas ça comme ça. Je range mon micro. Il faut pas sa journée comme ça sur votre moto, monsieur. C'est pas ma moto, monsieur. C'est 18. Non. Pardon ? Ah non, c'est monsieur Manfrey. Ouais, et c'est pas ma moto, c'est la moto des enculés qui ont défoncé tous mes plans tout à l'heure avec leur gun là. Je me suis pas gêné pour emprunter leur moto. D'accord. Ok, d'accord, on comprend mieux maintenant. Je comprends mieux. Et ouais, c'est pour ça que je m'en fous, hein. Vous pouvez mettre de l'essence dessus, la brûler, ça m'est égal. Ah oh bah non, mais on va la laisser comme ça fumer. Hein. Ouais, je vais pas m'en occuper non plus. Oh là là. Je vais pas m'en occuper non plus. Ouais, non, mais c'est une bonne idée hein, pour oh les t-shirts. Bon, après, comme je dis, ça peut être sciemment fait sciemment. Oh là là. Eh allez. Ça peut être fait sciemment ou pas. Il y a des gens qui ont pu faire exprès de tricher, comme d'autres, ils ont pu juste mal interpréter le truc. Tu vois. Mais bon, ça c'est. Vous avez le droit de rouler doucement sur le parking, monsieur. Hein. Et ouais, bah si vous voulez, enfin, on pourra réfléchir à des trucs, mais. Oui, c'est bien, et c'est bien que si on fait un championnat, c'est beaucoup, parce que clairement. On roule pas sur un parking. Attends, je me casse, je me casse de là, parce que c'est trop gens qui parlent. Pour rouler au pas sur les parkings, c'est mieux. Et ouais, c'est pour le championnat, ce qui est bien, c'est en faire plein. C'est aussi, c'est si jamais on a plein de personnes différentes, et bah c'est surtout au niveau de l'agenda. Si c'est tous les vendredis, il y a forcément des gens qui vont avoir des imprévus IRL à un moment ou à un autre, tu vois. Donc du coup, c'est bien comme ça, quoi. C'est bien qu'il y ait plein d'étapes, plein de manches. Franchement, ça le fait. Ouais, c'est une très bonne idée. Et puis en plus, enfin voilà, les gens, ils ont joué le jeu. Le cash prize, ça motive. Et puis le fait qu'il y ait tous les véhicules prêtés, c'est super cool. Putain, moi j'en peux plus là, ça fait plus... Ah ouais, mais tu prends vraiment le numéro de tout le monde. Ça fait 2 heures que je suis en live. Bah pourquoi t'as son numéro maintenant, Ali? Voilà. Alors je regarde les trucs, j'ai une question, la 8 ça se vend au moins. Cherchez les yeux. Aaron Winter, il est pas de bah non, je vais regarder ça. On s'entend de crier. Là, je regarde le. Là, je crois qu'il est con en fait. Ne criez pas, s'il vous plaît. Quand je vois la tête de son pote, lui, il doit pas être mieux. Ramirez, vous êtes encore en train de crier. Tout le monde vous entend. Arrêtez de crier, monsieur Ramirez. J'ai dit ça en criant, c'est bien. Si je veux crier, je crie, non? Non mais oh. Vous parlez bien à mon chef, non mais oh. Non, si vous voulez crier... Mais alors vous, Gawain, là, restez où vous êtes, s'il vous plaît. C'est entre votre chef et moi. Eh, vous arrêtez de me crier. Bah non, non, non. Mais vous aussi, vous criez. Bah ouais, vous criez comme une pipe. C'était pour venir. Non, même là vous criez, monsieur, même là vous criez, monsieur. Non, là moi je crie pas. Attends. Je crie pas, inquiétez pas. Ce qui regarde. Vous voulez ma photo, monsieur? Ou vous voulez qu'on vous prenne en photo, peut-être? Oui, non, désolé, j'étais en train de faire un truc dans ma tête. Oh là là, hé, monsieur! Vos cordes vocales, elles sont microscules, hein. Vos cordes vocales, elles sont vraiment toutes petites. Enfin, c'est pas la taille qui compte, hein, mais... Là, c'est bon. Ouais, ah, montrez voir. Là.
Non mais si vous dites juste un mot, c'est qu'on... Enfin mais bon, oui c'est bon. C'est bon. Doucement, eh oh, oh, oh. Vous voulez jouer à saute-mouton, vous? En talon aiguille, en plus. Eh mais, eh, qu'est-ce que vous faites? Moi je vais vous report. Hein, non mais je suis dans ma tête, je suis dans ma tête. Je veux pas le savoir, franchement, une attitude pareille, c'est pas normal. Comment ça, monsieur Malfoy? Non mais courir dans tous les sens et sauter et être en talon aiguille, excusez-moi, ça défie les lois de la gravité. Mais alors lui... Non mais c'est vrai, demandez à votre chef, vous demandez lui, tiens. Ouais, c'est Lolo, tranquille ou quoi? Salut monsieur, ça va? Ouais. On se connaît? Vous êtes journaliste? Exactement, mais vous, est-ce que je sais pas? Ouais, moi je suis le... Attendez, je vous fais juste savoir un truc, vous allez voir. Ouais. Vous allez voir, normalement, vous allez trouver direct. Ouais. Si c'est bien vous, hein. Je suis pas sûr. Vous êtes le chef, hein. Ouais, je suis le rédacteur en chef. C'était il y a longtemps. C'est bon. Faut juste que j'entre. Regardez avec la personne comme ça. Ah, oui, oui, oui. Vous voyez monsieur Felder, vous voyez ce monsieur? Oui, je le vois très bien. Doucement, arrêtez, okay. Oh, 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 c'est quoi cette attitude? Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je sais pas, je vous voyais en joue comme si vous vouliez m'en mettre une droite. Et bah ce monsieur, vous pouvez me donner votre identité d'ailleurs, plutôt que le monsieur à la rose qui drague tout ce qui bouge? C'est quoi votre identité? Non, non, je drague pas tout ce qui bouge déjà. Ah bah à l'époque, je sais que vous vouliez passer une annonce parce que vous étiez célibataire, patati patata. Hein. Moi, je voulais passer une annonce. Grave, okay. C'était pas du Tinder. Attention! Il a failli vous défoncer le mollet, lui. C'est pas grave, j'ai les mollets en béton. J'ai cru rêver, il y a un trou du cul qui me vole ma voiture ici. Bah. Alors ça, c'est bien la première fois que je vois ça. Hein. Vous voulez qu'on en parle? On va voler mon hélicoptère, alors bon. Moi, on va voler mon jet privé que je viens de commander. Ouais, c'est ça, et pendant qu'on y est, on vous a... Non, je plaisante, je plaisante. Ouais, donc, soit c'est Dominique Alvarez, mais genre maintenant, j'ai une femme. Ah. Non, mais on en parle. Ouais, et elle est enceinte. Ma voiture ici, quoi. C'est elle. C'est elle? Ah bah d'accord, bah. Ouais. Bah c'est déjà ça, écoutez, hein, c'est bien. C'est déjà ça. Ça, c'est bien ça. Par contre, si j'avais parlé de Gaywen, j'aurais pas plaisanté, parce que elle, dis donc... Elle a une dent contre moi, ça tombe bien, j'ai tout un dentier contre elle. Toute une mâchoire, pardon. De quoi? Et quoi? Bah j'ai déjà prononcé, si vous comprenez pas, zut. Je vous laisse, monsieur le journaliste. Mais ça, c'est Dominique Alvarez. Allez, bisous, Dodo, ciao. Ouais. Après, la chose bizarre, c'est que Dominique, il est stérile, du coup, on sait toujours pas comment il a fait pour mettre sa femme enceinte. Ah, elle est enceinte? Elle est enceinte? Bah oui, mais bon, il est stérile. On a fait 4 tests, il est toujours stérile, quoi. Ah, le pauvre. Et il est pas au courant? Bah, si, on l'a dit, mais bon, il se voit de la face. Hein. Qui vous dit qu'elle l'a pas fait avec un autre? Ah, bah, justement, a priori. Ha! Eh oui! Vous avez retrouvé votre moto, monsieur Felder? Oui. Ok. Bon, bah écoutez, génial. Moi je vais voir là-bas si j'y suis. On va retourner à la rédaction. On a des articles à taper, nous. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a des articles à taper là. Vous m'amenez à la rédac? Mais je vous amène. Ok. Cool. Et j'espère que vous avez pris une belle photo de moi. Hein. Non, mais alors vous, hein, on en reparlera. Hein. Bah quoi, j'ai gagné? Vous avez gagné, vous êtes pas seul, c'est votre équipe qui a gagné. Vous inquiétez pas, je vous ai. Hein? C'est votre équipe qui a gagné, c'est pas que vous. Alors, monsieur, par toute amitié que j'ai pour vous, voulez-vous savoir ce que mon collègue faisait de la voiture? Oui. Il est en train de me parler de sa femme et de quand il allait partir en week-end. Alors, Non mais il vous donnait l'itinéraire quand même. Attention, monsieur Felder, laissez-moi mettre mon casque. Ouais, sur la première course, oui. Sur la deuxième, je l'ai connu par cœur. Ah d'accord, ok. Ah bah du coup, vous auriez dû le faire descendre, ça faisait moins de poids. Enfin après, ça aurait pas été légal. Ah oui. Allez, à toutes. À toutes. Doucement, voilà. Doucement, monsieur Felder, je vous ai déjà dit, j'ai peur sur ces engins. Doucement. Laissez-moi conduire, non mais non. Bah non, mais j'ai attendez. J'ai bloqué, vous inquiétez pas. Ah, c'est bien, c'est bien. Y'a pas mieux sur cette radio là? Non, et sur celle-là? On va laisser le truc ambiancer. Ouais, c'est bien le régulateur de vitesse. Hein. Comme ça, on fait pas de conneries. Bah, moi, je m'en suis servi les premières semaines et après, comme j'ai réussi à me prendre des amendes, même avec le régulateur de vitesse, je l'ai enlevé. Ok. Ouais, on passe au orange.
Bon, moi je vais aller à la rédac, puis je vais aller faire une sieste. Hein. Pas de soucis. Et là, j'en pitié un peu plus, hein. On a passé quand même une grosse journée, enfin une grosse soirée plutôt, quand même, avec tout ce rallye, hein. Ouais, mais c'était bien. Et alors, et vous avez pensé quoi personnellement? Ah, c'était sympathique. Mais je pense que c'était dommage, j'ai pas pu avoir un énorme bon cadre en fait. Ouais. À cause de l'hélico. Bah après... C'est pas votre faute, hein, parce qu'on peut pas faire grand chose. Après, on peut aussi imaginer faire ça à moto. Vous conduisez et je cadre. Mais alors la vente, oui. Ça pourrait se faire aussi, mais pareil, hein, dès qu'on change de direction, le cadre il est tributaire de votre moto, donc bon. Enfin, faudrait essayer de trouver des employés, eux, pour être au sol à des endroits précis. Attends, je roule sur la voie. Et non, mais et c'est nous, clair. Dans les airs. Moi j'y pensais à ça, mais vous voyez, ça. Déjà à deux, à notre envergure, c'est déjà bien ce qu'on a fait. Ouais, mais, c'est vrai. Mais c'est clair que quand je pensais à cette histoire-là, je me suis dit, s'il y avait quelqu'un avec moi dans l'hélicoptère qui filme. Et que j'ai 2-3 caméramans qui sont devant des bons virages ou des trucs comme ça. Ouais, ça pourrait mais être bien. Le problème, c'est que c'est pas gérable en live. Oui, c'est vrai. Les différentes sources. Je peux pas switcher sur les différentes sources en live. Et même après, ça veut dire que tout le monde a HRP, que tout le monde doit enregistrer et doit m'envoyer les vidéos. Et ça va faire du travail de ouf. Ouais, le même système que moi, mais avec plusieurs scènes sur votre. Comment est-ce que j'ai pas les clés de ce véhicule? Ah oui, non mais. Le problème, c'est que je peux pas faire plusieurs scènes parce que là, je partageais. Ah ben oui, parce que vous pouvez pas avoir plusieurs Discord. C'est cela. Enfin, faut voir, hein, ça se trouve. Bah, avec peut-être. Si, je pense que je peux lancer plusieurs itérations de Discord, je pense. Et ouais, mais si ça marche pas, au pire, vous faites le site plus l'application elle-même. Peut-être que ça peut marcher. Ah ouais. Et que pas plus de deux, quoi. Ouais, pas bête. Mais après, enfin, il faut voir. Plusieurs fois le même site aussi, c'est possible. Non, mais dans ces cas-là. Bon, on y réfléchira. Bon, monsieur Felder. Oui. Ah, attendez, en fait, je vais faire un truc sympa. Dites-moi. Parce que, sauf votre respect, mais quand même avec votre respect, on a bien travaillé. Ah, quand même. Je suis plutôt fier de vous. Je rappelle que la caméra c'est va pas. Sympathique. Je suis plutôt fier de vous. J'ai aimé l'initiative que vous avez prise de commenter la course et même j'ai trouvé que ce que vous disiez dans la course c'était plutôt pertinent. Ouais, chips. David, chips. C'était plutôt pertinent donc franchement cool. Bon, et bah écoutez, à bientôt David. Ah, j'ai perdu David. David. David où? Ah bah je vous entends guère. Vous m'entendez? Bon, au revoir, hein. Au revoir. Ah merde, c'est pas lui qui m'appelait. Ah si, c'est vous qui m'appeliez. Mais je vous entends. Ah c'est bon. Bah ouais. Est-ce que c'est bon? Ok. Ouais. Non, je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire du coup maintenant. Est-ce que je dois vous aider sur quelque chose ou dites-moi tout. Qu'est-ce que vous devez faire? De toute façon, vous avez pas de contenu sur vous. Après, ouais, si vous voulez me rendre service, même si vous faites des petites fautes de typo et de machin. Si vous pouvez faire un petit article textuel. Puis après, moi, même si je vais reprendre, corriger, refaire des tournures de phrases, ça me fait déjà gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas de souci. Faites un petit article textuel, voilà. Vous expliquez, donc, essayez de vous rappeler, il y avait 8 équipes engagées avec 16 participants. Faut reciter les sponsors, tout ça, et le nombre de manches. Et on peut glisser, qu'il y a eu le club de moto. De moto locale qui était pas content ou je sais pas quoi, faire une petite connerie comme ça quoi. Ok, pas de problème, c'est fait, ce sera fait. Mais c'est pas pressé, hein, c'est pour cette nuit, demain, enfin un truc comme ça, c'est voilà quoi. Ok, pas de problème. Moi je pense pas que je vais faire l'article tout de suite là, enfin je vais voir. Pas de soucis. Allez, bonne soirée, monsieur Felder. Bonne soirée. Et encore, je vous félicite encore. Je m'en fous de mes félicitations lui.
Bon alors ouais, donc ce rallye a donné envie d'aller vite. Ouais, un jour je passais par là. Bon alors il y a souvent des feux rouges qui se cassent comme ça. Il y avait une voiture de MS qui traînait là. Alors du coup bah, je vais d'ores et déjà prononcer la fin de ce live. Ah bah merde, c'est le moment où il y a des gens qui viennent de se reconnecter, c'est quand même vachement dommage. Bah écoutez, bah comme ça vous pourrez regarder le live en replay. En même temps il dure 2 heures. Je vais essayer de faire les temps forts de la course. Après à mon avis ça va être très compliqué de faire ça comme ça. Mais bon. Alors si j'éteins le moteur, est-ce que je peux faire cette vue là? Ok. C'est bon ça. Ouais donc du coup bah écoutez chers amis tous autant que vous êtes, j'espère que bah, du coup cette formule vous a plu. Personnellement moi j'ai un peu kiffé quand même, c'était sympa de faire ce petit reportage, de faire cette version de la course avec un cadreur. Alors effectivement j'ai switché sur la caméra de mon pote via la Discord. La qualité était très amoindrie. Mais bon, c'est déjà ça, c'était sympa quand même. Sur ces belles paroles, bonne soirée à vous. J'ai pas restreamé aujourd'hui, je pense pas que je vais restreamer parce que. Peut-être plus tard, de toute façon, who cares. Je vous embrasse pratiquement fortement, comme on dit dans le gonjard, dans le jargon. Et puis voilà, à la prochaine, tenez-vous au courant de la chaîne si vous le voulez. Et puis si vous voulez pas, who cares. Et encore merci Zyklon qui nous avait follow pendant le live. Allez, tchou 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 tchou.